Bonsoir. Comment ça va? Bon, on est en avance, donc je vais faire des petites modifs. Parce que vous avez vu le chat, il est dans les godasses. Hop. Ok, donc il me reconnaît ça. Mais c'est pas ce qui m'intéresse, moi. Ah ouais, 12% d'image perdue. Ouais, d'accord. On est toujours dans le même délire. C'est à chier, vous inquiétez pas. Comment Comment ça ça va? va? Ouais, y a l'écho. Ah, tu commences à connaître les streams dans les godasses. On va mettre à 500, hein, de toute façon. Ça se réduit, ça fait quoi? 23%, 25%. Ouais, ça a commencé à se casser. Ouais, c'est bon. Salut tout le monde, salut Triab, salut le Gamer 11, salut Yolo Crew, salut Mineur, salut Crevette des Champs, salut Saster. J'ai dit tout le monde ou pas? Ah, j'ai dit tout le monde. Je suis un demi-god. Salut Dodo, salut Sam Fisher, salut Sikune. Attends, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, attendez, hein, je suis en train de reconfigurer encore le merdier. Je vais mettre le son, vous inquiétez pas. Voilà, c'est faut juste que je m'occupe. C'est pas ça, c'est ça. Putain. Attendez, j'ai un souci là. J'ai un souci avec le chat. Est en train de me casser les couilles là. Fenêtre, ben, c'est bien fenêtre qu'il faut prendre. Putain, oh c'est de la merde. D'accord, donc en fait, comme d'hab. Bon, attendez, je vais être obligé de relancer le chat. Hein. J'ai que ça à branler. C'est sûr, hein, c'est la fête. J'ai que ça à foutre. Pop out. Voilà, donc là, tu reconnais le chat, bouffeur de queue, ou comment ça se passe? Désolé hein, pour les insultes du respect de la personne, mais ça commence un petit peu à me gonfler. Alors, capture de fenêtre, ok. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop. Hop. Attendez, pour l'instant, j'ai aucun bruit, aucun truc, donc je suis pas dans le move, tu vois. Mais t'inquiète. Ok. Bon, attends, il n'y a personne qui parle, donc je vais écrire des trucs. Caca. Hop. Eh, on finit les configs avec le cul, hein. Vous connaissez la maison. Dans la joie et la bonne humeur. Je regardais une rediff d'un de tes lives et boum, tu stream. Ceciception. Salut, Naga. Bah, écoute, ça fait plaise, hein. Ça fait plaise. Les trois parties du DLC font 1 heure, ça va être chaud de battre les trois boss en 2 vidéos si c'est le cas. Alors, vais pas vous spoil non plus sur la suite des vidéos, mais effectivement, j'ai fait 3 vidéos, j'ai fini le DLC. Je n'ai pas battu les trois boss parce qu'il y a un boss que je n'ai pas vu, finalement. Alors, je sais plus c'est quel boss. Salut Punchface Prod. Salut 2,70€. Je sais plus c'est quel boss. Je crois que c'est le trio là. Salut Mika. Ah, attends, c'est le trio, je sais plus exactement. Où il y a Avel là. Il y a Avel et deux autres. Et bah, je les ai pas vus. Je les ai pas trouvés. Donc bah du coup je les ai pas battus. Mais je ferai peut-être une petite vidéo annexe. En mode juste où je les bats et où je monte 2-3 autres trucs du DLC que j'ai pas eu le temps de. Que j'ai pas trouvé. Salut Mugi. Mais bon, pour l'instant, il n'y a qu'une vidéo. Bon, les deux autres sont montées et sont prêtes. Hein. Je vous le dis, elles sont déjà finies. Hein. Donc j'ai plus qu'à les balancer en ligne. Batman v Superman. Oh. Bah écoute mec, je suis désolé pour le spoil, mais moi perso j'en ai un peu un à secouer de ce film, donc si on me spoil j'en ai rien à branler. Hop. Ah attendez, hein. Je remets le jeu. Le truc c'est qu'il faut que ce soit carré, parce que sinon ça va pas le faire. Donc il faut que je mette Dazzle. Audio c'est Dazzle. Ouvrir crossbar, voilà. Parce que comme vous savez, hein,
Mon boîtier déconne, donc il faut que je foute à chaque fois l'audio au dernier moment. La résolution, c'était 400, je sais plus quoi. 640 par, c'est ça, je crois. C'est ça. On va mettre ça. Et on est bon. Voilà. Normalement, vous avez le son du jeu. Voilà. Est-ce qu'on est good? Ça m'a l'air parfait, tout ça. On va pouvoir commencer. C'est comme si on te spoilait Gekation épisode 3. Bah écoute, sache que je l'ai déjà vu et que j'ai fait déjà ma critique. Elle sera dispo vendredi. Là, je suis en train de la monter. Allez, ouais, je suis en avance, les gars. Non, c'est comme si on spoilait l'épisode 4, du coup, parce qu'il va sortir cette semaine. Bon, allez, passe-moi Modo en soutien à la Belgique. Ah, j'avoue, Mugi. Ah, ces pauvres Belges, hein. En fait, ils se retapent toutes les merdes que nous, on leur refourgue, quoi. On est vraiment des sous-races en France. On est de la merde. Je m'excuse au nom du peuple français, hein, Mugi. Hop, allez, je te mets Modo, c'est cadeau. Salut Piusi. Bon bah salut un peu les gens, hein. Salut Jumpman. Bon, AV. AV César, voilà, la Superman. Oh putain, attends, ça gueule là. Ta-ta-ta-ta-ta. Bon les gars, on se termine le jeu ce soir. Glitch des escaliers oblige. On va le déchirer, mon pote. Bon, déjà, je vais supprimer une petite partie, genre seigle. Et on est sur la 64, hein. On est évidemment sur les consoles. Je ne stream jamais sur émulateur, vous le savez. J'ai essayé au début, je voyais que ça ramait, donc voilà. Je veux une épée aussi, vas-y. Ah, je peux pas mettre tout le monde. Un jour, peut-être. Mais il faudra que j'enlève des modos pour en mettre d'autres. Salut, Yagatai. Donc là, la gueuse, elle nous dit viens au château, il y a un gâteau. Ah, donc Mario, comme il a un fat corps, il va aller chercher des gâteaux. Salut Chibi Lady, salut Pilab, salut Rafévi. Mais non, je suis belge et t'as pas à t'excuser, ce n'est pas la faute aux Français, mais au gouvernement qui font n'importe quoi. Je sais, Mougui. Je sais, je dis ça pour déconner. Évidemment, c'est nos gouvernants, on est des sous. Enfin, c'est des merdes, quoi. Mais bon, attention, si je dis ça, ça peut être passible de prison, donc hein, faut pas. Hein. Salut Marty. Salut DS Ken Short. Salut Redhead. Donc voilà, on est obligé de. On est obligé de lécher les pompes à notre gouvernement. Parce que si jamais on dit du mal, attention. Bon, déjà, speedrun, les gars, vous avez reconnu. Hein. Attention. Hein. Allez, je speedrun ce jeu, laisse tomber. Mario, c'est Seed en fait. Tu veux finir le jeu ce soir, c'est un projet de 50 jours. T'inquiète, mec, je vais faire le glitch des escaliers. Je crois qu'il me faut 30 étoiles, un truc comme ça, et après glitch des escaliers, on finit le jeu. Salut Jess. Salut Arcane. Non, je travaille demain, donc non, non, je vais pas. Ça va pas être un projet sur plusieurs jours. Sur 5 heures, hein, t'inquiète pas. Ah mais je l'ai déjà fait en soirée, en mode bourré, vas-y, je finis Mario 64! Alors j'étais tout seul dans mon coin, les outils picolaient, moi j'étais tout seul en train de jouer, puis au bout de 2 heures je fais, regardez, c'est la fin! Et on dit, c'est bien, on s'en bat les couilles. Ah d'accord. Donc tu vois le délire, quoi. Parlez pas des attentats, on est là pour rigoler. Du manque de skill, mais rigoler quand même. Ah, ça commence à tailler! Ouais, Mario 64, normalement, je me démerde pas trop trop mal. Je suis pas un J de la personne. Petit respect à eux quand même, mais. Normalement, bon, je le connais bien le jeu. Hein. J'ai déjà torché avec les 120 étoiles et tout. Tranquillement, quoi. Bon, on va essayer de faire les étoiles à peu près dans l'ordre. Merde, ça y est, je commence à me goût. À foirer mes longs jumps. Ah, cette zik, quoi. Ça fait plaisir, quand même. Le plus important, c'est que tu y aies pris du plaisir, Sid. Exactement. Exactement, 2,70€. Je ne l'aurais point dit mieux. Sinon, il y a le glitch des messieurs citronnels, il suffit de ramasser les 120 étoiles. Avec un manque de skill, évident. alors, je sais pas si c'est là. Ouais, c'est là. Pour prendre le raccourci à toutes et à toutes. On arrive chez le Bob Omb Kaka. Il y a de la perte, ouais. Ah merde, on a 19%. Ouais, ça va. Faire un jeu bourré, c'est pas dans tes habitudes. Ça va redescendre. Le minimum d'étoiles qu'il faut pour finir le jeu avec le glitch, c'est combien? C'est 30, je crois.
bosse tout dans les chaussons, quoi. Tu t'en es remis depuis MGS avec DG? Ouais, ça va, ouais. Enfin, le mec, j'arrive pas à le choper. Quand même. Allez, gorge. Salut, Paul Cabage. Ce live de l'enfer. Allez, bute ce FDP de Bobon. Ah, ça regarde, c'est Polo 76. Moi, je dis ça parce que... Bon, il est plus fat que moi, donc c'est facile de taper dans les fat. Hein. C'est facile de taper dans le gras, vous le savez. Vous-même, vous le savez, les gars, vous faites que ça. Ah, voilà. Ça, c'est un boss à la Dark Souls, les mecs. Hein. Eh, franchement, plus dur que le boss de fin de Dark Souls. Là. Il est content de retrouver son pote, c'était mignon. C'est de la bombe, ce boss. Putain, je n'ai même plus envie d'aller sur les lives de DG à cause de ce compte Joachim. Ah, c'est pour ça que quand DG il vient chez moi, et qu'on stream, il faut venir, parce que c'est rigolo. Parce que moi je me... Ah merde, attendez, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas qu'une étoile dans les mondes, Jacqueline. Il n'y a pas qu'une étoile dans les mondes, Jacqueline. Allez, ta gueule. Parce que moi, je me prive pas pour cracher sur Joachim quand il y a des jeux. J'en ai strictement rien à branler. Il sait très bien que je le considère comme un sous-homme. Un sous-homme, bon, quand même, avec une petite paire de couilles, mais bon. Si tu veux, les trans de Gaycation sont plus hommes que cette personne, quoi. Merde! Oh putain, je commence à faire du caca. Oh putain. On va foirer la course. Non! Non! Il me stresse, allez. Yeah, ça c'est de la zik, écoutez-moi ça là. Ah, ils ont mis 3 boules, c'est FDP, je savais même pas quoi. J'avais zappé ça. Bon là évidemment faut pas prendre le raccourci, sinon elle nous dit « Oh t'as triché, c'est pas du bien joué, etc. » Donc voilà. Bon là c'est au calme, hein. Je vous dis, en 64 je suis rodé mon gars. C'est un jeu de mon enfance. Bon, je suis désolé, par contre je regarde pas trop le chat. Ah voilà! 3 heures à demander de la thune en faisant que de la merde. Sid motivé parle avec d'eau. Quoi? Joachim est un éminent coiffeur philosophe. Tant d'épées vertes, j'ai l'impression d'être à la fac Tolbias. Disons de modo pour quelques viewers. Ah, c'est ça, c'est le respect. Là. Alors, Jean-Jean? Easy au calme, mon gars. Les boules en 2D sont toujours aussi bien faites, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Salut, Poète Poète. Salut, Benoît. Astronaute aussi le dimanche après Drucker. C'est ça. Tu peux faire coiffeur astronaute, tu peux tout faire maintenant. Allez. Motive pas la McDo, si désolé. Je sens que t'essayes de dire un truc, Chibi Lady, mais elle est de toi la phrase ou tu l'as entendu? Parce que... Non, on est toujours pas... Avec le respect, hein, mais... Bon, on va choper la pièce du clébard. Après, on fera les pièces rouges. Attends. Voilà. Avec autant de modos, on voit l'époque des chemises brunes et des couteaux renaître. Pas compris. Putain, depuis que j'ai mis cette musique en réveil, elle me hante. Oh putain, tu m'étonnes. Putain, moi j'ai mis l'intro de Juno, je commence à détester cette musique de merde. T'es sur 64 ou émulateur? 64, évidemment. Pas grave, je laisse tomber. Ah, Chibi Lady, je voulais pas te vexer, hein.
Si tu prévois quoi pour les 4000 abonnés? Ah, je prévois de m'en branler complètement, de rien à foutre. Sinon, comment ça va, mon bon Cid? Bah écoute, mon bon vieux Marty, ça va bien. Je me suis bien remis de ce week-end qui était assez chargé en alcool, hein, je te cache pas. Canon vers l'île Perchée. Et non, non, ouais, je m'en suis remis et c'était pas mal, c'était pas mal. Tu devrais faire un live et faire péter le pastis en live. Ouais, enfin, c'est pas comme si je l'avais jamais fait, quoi. Salut RKZ633. Alors, est-ce qu'on le dit en anglais? En anglais, RKZ 633, je ne sais pas. Ah, ouais, j'ai un accent anglais, les gars. Allez, vas-y, Taras. Donc, on va dans 6 canons. Je pense pas que ce run sera aussi drôle que le run des messieurs. C'est vrai. Et merde, ça commence à lag. Un live de 48 heures pour les 4000. Ouais, bien sûr. Évidemment. Alors, je crois pas qu'on puisse y aller comme as. C'est ce qui me semblait. Donc, il faut prendre le canon. Il est où ce canon? De pute. Il est pas dans le coin, le canon? Ah non, faut prendre le canon là-bas. Inglench. Dodo 74-200. Premier don de ma part, je suis de la bonne affaire. Si merde, mec. La bonne affaire. La très bonne affaire. Bon, d'ailleurs, j'étais un peu moins fan de son boyasness. Je trouvais que, bon, c'était marrant 5 minutes. Enfin, c'était marrant... Allez, 10 secondes. Mais voilà. Bon, alors attendez, je vois pas trop comment faire, là. Ah non, putain. Mais il me semblait que... Ah, mais oui, il est là, le canon, quel autiste. Ah, j'aime... Il est là, sur la pyramide, là. Sur la pyramide des gains, là. En espérant que Sid garde son calme sur ce jeu Mario, dans 20 minutes, tu commences à t'énerver, je suis sûr. Ah, y'a moyen, y'a moyen. Alors, attends. Bon, déjà, faut bien viser avec le stick de la 64, je vous en parle pas, l'enfer. Ah, merde! Trop bas! Donc, un peu plus haut. Toute la filmographie de Gilbert Montagnier. Ah, et dans les conditions de Gilbert Montagnier, c'est-à-dire avec les yeux dans les godasses, quoi. Ah, ça serait compliqué, quoi. Voilà. On est bon. Putain, j'ai pour habitude d'appuyer sur Z pour mettre la caméra derrière moi. Mais on n'est pas dans Ocarina of Time. Attends, le chat, il s'est pas mis? Oh, je suis désolé! Putain, je suis désolé, gros. Putain. En fait, j'ai mis... en mettant le périphérique de capture du jeu, j'ai foutu... Il s'est affiché, en fait, par-dessus le truc des noms. Je suis désolé, mec. Mais merci, Dodo, je l'ai vu à s'afficher. Hein. T'as pas besoin de le faire. T'as pas besoin de refaire un nom, évidemment. Ouais, j'avais mis le périphérique de capture vidéo par-dessus les noms. Comme je l'ai mis tout à la fin. Donc, ouais, je suis désolé, gros. Gilbert, c'est un PGM, il fait le jeu les yeux bandés. Alors, attends. Les 8 pièces rouges, c'est quoi l'autre? Ah, putain, on peut pas le savoir. Bon, vas-y, on va se faire les pièces rouges, hein. C'est toujours ça de prix. Allez, au moins 5 étoiles par monde, ça serait pas mal. Salut, Loupox. Eh, vas-y, tu veux pas arrêter de faire des coups de cul, hein? Bon. Alors, je crois qu'il y en a une par là, si je dis pas de conneries. Ah ouais, mais c'est derrière la grille. Effectivement. Bon, évidemment, je ferai pas les 100 pièces, hein. Vous avez bien compris que ça, j'en ai strictement rien à secouer. Ah, cette petite mélodie, là. C'est toujours du bien, quoi. Ah, d'accord. C'est pas mal, ça. Le respect. Yeah. Ça, c'est bien joué. Ah d'accord, à côté de la bombe. Pas mal. Alors je sais plus du tout où sont toutes les pièces rouges. Bon, il y en a une là sur le poteau du clébard. T'as la distance d'affichage dans les chaussons. Ah le bâtard. Ah le bâtard. Les 100 pièces c'est le plus fun. Ouais ouais, c'est le plus pédure aussi. Alors attendez.
Une là. Eh, vas-y, ça me tombe sur le coin de la tronche, là. Au calme, quoi. Bon, j'en ai combien? 4? Attends, on peut le voir là. 3, 4, 5. Ah non, j'en ai 5. Du coup, avec le glisse de l'escalier, ça peut durer combien de temps, ce Mario? En fait, il faut 30 étoiles, je crois, donc... Ouais, une ou deux heures, quoi. Prends une petite vie. Oh, putain! Dégage! Oh, la vache! Il m'en reste deux. Alors, je crois qu'il y en a une en haut. On ira la chercher à la fin. Et il y en a une là, voilà. Donc, elle, normalement, on peut la choper comme as. Ouais. Normalement, hein, évidemment. Allez, monte. Allez, monte, petit Mario. Voilà. Bon, écoutez, on va faire la suite à pied. Hein. 1h30, 2h. Ouais, c'est ça. Disons. Salut, Vec. Bonjour, les plus grands des FDP. Disons de pico seconde. Hop là. Un jeu où il y a des bombes, c'est pas très Charlie tout ça. Ah, ça concorde avec les événements actuels, tu vois. Moi, je fais toujours des streams, tu vois, j'essaye de faire ça en adéquation avec ce qui se passe dans le monde. Wow, attention. Voilà. Ce soir. Je suis fini à la piste ce soir. Ah bon, merde. Que ce soir, t'es sûr? Ah, attention. Oh, de justesse, Lego. Et voilà. Site qui galère pareil en montant une côte. Espèce d'enfoiré. Ouais. Mais c'est pas faux, c'est pas faux. En fait, les kamikazes, ils étaient peut-être juste fans de Mario. C'est possible. C'est possible. Allez, en fait, les... Alors, oui, non, ça, j'ai déjà vu. Vous avez vu la merde qu'a sorti Mathieu Sommet? Je regarde pas, donc... non. Je me fais bâcher en règle au calme. Par contre, aide du Fofo, j'ai maté la dernière vidéo de Norman, alors que normalement, je regarde pas cette merde, avec les jours de la semaine, et j'ai trouvé ça pas mal. Je me suis dit, ah, il y a un concept, c'est bien joué. Fini au liquide vaisselle et la pisse de chat à l'ammoniaque. On dit pas armoniaque, attends, à l'ammoniaque. Armoniaque. Non, on dit Armagnac. On dit Armagnac. Hooper existe encore? Bah, je regarde plus, donc... Parce que, bon, des rediff live et des let's play, disons, sur des jeux qui ont 5 ans, voilà. Il est top, j'aime bien, salut Lévi. Salut la commode. Moi, je suis pas fan non plus. Un petit don pour un petit seed, et comme dirait un ancien testeur qui faisait des belles reviews, ça, c'est bien joué. Putain, ah, il me manque un peu le hooker, là. Cimer, Jumpman. Ah, il me manque un peu, putain. Attends, parce que là, je vais dans le monde de la flotte, c'est vraiment à chier. Non, non, bats les couilles, bats les couilles. Je fais pas ce monde. C'est mort. C'est mort, c'est mort. On va faire celui-là pour voir. Les kamikazes qui ont fait sauter le noctilien pour venger Monsieur F. Norman, mais what the fuck? Au napalm, tu me dégages ça. C'est vrai, c'est vrai. David le fragile et Mijira pute. Putain, si tu m'as tué en sortant ça. Ah ouais, je sais même pas quand j'ai dit ça. Pas de musique de don. Tu déconnes. Arrêtez, il y a des pains ou quoi là? Normalement, il y a de la musique de don, gros. Attends. Attends. C'est moi qui ai coupé le son. Attends. Il n'y a pas de musique de don, les mecs. Vous foutez pas de ma gueule, j'ai testé tout à l'heure, ça marchait. On va regarder, hein, parce que je vous crois pas. Je vous crois pas. Je ne vous crois pas, les mecs. J'arrive pas à vous croire. Ah bah si, voilà. Voilà. Et je me suis donné 36 euros. Ouais, il y a un truc qui a dû être coupé, voilà. Du coup, je vais le mettre avec les enceintes.
Je suis désolé, hein. Ouais, normalement ça passe via le truc, mais bon là je vais être obligé de le mettre avec les enceintes en écho. C'est pas grave. Voilà, je suis désolé, tout est réglé. On va y arriver au bout de 7 dons, on va réussir à faire un truc à peu près carré, les gars. Ah, c'est pas comme si je faisais des streams toutes les semaines. Voilà. Je vais me moucher. Hein, vous m'excuserez. Salut Mobus. Salut Youpin. Salut Bodidley. Je crois que j'ai à peu près salué tout le monde. Enfin, en tout cas, tous ceux qui parlent. Oui, le mec m'explique comment, comment utiliser la caméra, quoi. What the fuck? C'est vrai que ce monde se prête vachement au délire caméra, machin truc. Ah, c'est les pièces rouges qu'il y a là. Hop là! Ah, attention. Hop là. C'est Dark Souls 3? J'aimerais bien, j'aimerais bien. J'ai hâte qu'ils sortent, hein, bordel. J'ai hâte qu'ils sortent. J'ai été voir Exerve sur son stream là. Il joue à Dark Souls 2. Je me suis dit, ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Et salut à tous, c'est Exerve. Et salut à tous, c'est Exerve. Avec son Praise the Sun là. Vidéo découverte sur Dark Souls 3, s'il est obligé. Ah mais grave, 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 grave. Obligatoire, moi. Ah, le live qui fait plaisir. Salut Marlon Coco. Marlon Coco, j'imagine. T'étais en Syrie. T'as pris quoi, le collector de Dark Souls 3? Non, non, mais moi, j'arrête... Les collectors, ça m'intéresse plus, mec. Hein. Enfin, j'en prends plus du tout, quoi. J'aime pas ce monde de la forteresse. Mario, c'est un putain d'acrobate. T'as prévu un truc pour tes 4000 abonnés? Non, non, pas du tout. Non, mais j'ai arrêté de prévoir des trucs, en fait, parce que chaque fois, je m'y tiens pas, donc maintenant, je ferme ma gueule, je fais plus rien. C'est plus simple comme ça. C'est aussi simple que ça. Merde. Oh là là, ce skill! Oh, le skill de la mort, les gars! Jamais vu ça. 10 ans de Mario, j'ai jamais vu un skill aussi, aussi skillant qu'à l'autre part. On va tenter les... Merde, on va tenter les pièces rouges. Je sais plus exactement où est-ce qu'ils sont. Il est réservé le jeu chez Micromania et on va avoir 15 minutes de clash avant de commencer le jeu. Non, t'inquiète, trop pas. Je l'ai pas du tout commandé chez Micromania. C'est hors de question. Merci, Chibi. J'avoue, je suis assez fier de ma connerie. Je me suis rattrapé, attention, quoi. J'ai une vie, j'étais dans la palette game. Attends, quoi? J'ai une vie, j'étais dans la palette game en tant que chariste et j'avais une meuf, donc fini de mater des connards en live qui claquent leur RSA en Megaman et 8.6. Mais ça me manquait. J'ai lu 8.6. Eh ben écoute, DS Kenshot Short, c'est très sympathique de ta part. Ça me va droit au cœur. Samos, c'est pas les fromages dégueux à la Kiri. Vous avez vu des vidéos de Payou et Samos? Ouais, c'est particulier, on va dire. Ça a une... Et tout ça a une petite odeur. Pour ceux qui ont la référence. Ah, c'est un air, hein. Bah, c'est un dégât. Bah, moi, ça, moi, il me fera marrer, ce Bernard. Il me fera toujours marrer.
Bon, les pièces rouges. Il y en a peut-être une là-haut. Je ne sais plus. Je ne sais point, je ne sais plus. Peut-être un champignon là-haut. Un champignon. Wouhou. Pépi. L'odeur à Louane. Ça lag que chez moi. Ouais, je suis à 12% d'image de perte, donc théoriquement, ça devrait être bon pour tout le monde. Merde! Oh, le con! Ok, c'est bon, je me suis rattrapé. Elle est où, la planchette, là? C'est ça? Ah putain, c'est des trucs à tête chercheuse. Je crois que c'était une belle idée de con de faire Mario en live. Oh. Merde, il m'en reste une. Je crois qu'elle est tout en bas. Je vais descendre un peu au cas où parce que... Je crois qu'elle est par là. Je sais plus ce que ça fait, ça. Non, ça fait rien. Elle est pas ici. Ah, elle est là. Elle est là. Voilà! Alors, tu sais que tu peux faire les 100 pièces plus autre quête si jamais. Oui, bien sûr, Marty, oui. Je peux aussi ne pas les faire. Mon dieu, le striptease avec les humoristes. Ah, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Ça s'appelle pas un truc avec les devoirs ou je sais pas quoi. DSK en short. Ah putain, je viens de lire le... Je viens de comprendre ton pseudo, mec. Puis tout à l'heure, je suis en train de lire DSK en short. Je suis vraiment un tas de merde. Tu peux me dire d'aller me faire enculer, alors, franchement. Donc là, théoriquement, on peut monter ici. Ça nous évite de... Attends. Voilà. Ça évite de se taper le merdier, là. Salut, Vec. Il s'appelle Comique. Ah, ok, bah, c'est pas le même. C'est pas le même dont on parle. Ah, Sam Fisher, c'est un modo exemplaire, attends. Normal qu'il soit modo partout, gros. Je t'aime si t'inquiète. Ah bah, écoute. Bat la biche. Salut, Bat la biche. Bah, tu m'aimes, mais tu pourrais quand même me dégager à la grenade, hein, parce que je viens de dire. Bah, je peux pas remonter. Ok, ça c'est bien joué. Bon, alors, attends, on va. Ok, donc là, faut grimper en haut de cette merde. Bon, on le tente. Ah, fallait pas le tenter. Mais bon. On va y aller tranquillement. Regarde le malaise entier, ça vaut le coup, Sam Fisher. Attends, moi ça me... Des trucs de malaise... J m'a envoyé une chaîne YouTube qui s'appelle Malaise TV. Putain, c'est chaud. Mais c'est du génie hein, d'avoir créé cette chaîne. Mais c'est tellement badant, quoi. Franchement, ils avaient plus d'idées pour ce stage. Il faut monter deux fois pour prendre une étoile en haut, quoi. C'est un peu abusé, quoi. DSK en short. Ah, d'accord. DSK. DSK en short. Non, j'ai pas dit ça. Je disais... Oui, c'est ça. Si, c'est ça, en fait. Je te lance un don dès que j'ai mon chômage. Ouais, t'inquiète. Pas besoin de don, voilà.
Votre seule présence m'honore au plus haut point. Ouais, non, en fait, je déconne, j'aime bien le fric. Alors, canon vers les cieux. Ah, oh, putain, ça, je crois que c'est ultra relou. Faut activer un canon. Faut activer un canon, c'est ça. Et le balancer. Faut se faire balancer vers. Vers la cage, là. Ah, ça va être super chaud, ça, les gars. Malaise TV, il y a l'intégrale des vannes de Monsieur F dessus. Bon, vivement qu'il rage le site. Y a moyen, y a moyen. T'inquiète. Alors, je sais pas du tout si c'est là. Hein. Attends. Faut tirer dans le coin du mur de droite. De quoi? Là-dedans? Attends. Ah, dans le coin du mur de droite, pardon. Ouais, mais là, on s'en bat les couilles, là, je veux juste aller là-bas, non? Là-bas? Bah, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Bon. Vraiment dans le coin. Je bosse dans quoi? Je suis pion. Surveillant. Oh non! Un peu plus au sud. Bah attends, il y avait une étoile en dessous là. Il bosse dans les enfants. C'était chiant. Monsieur F était vraiment chaud dans leur première vidéo des messieurs. Salut Hunter. Bah je pense qu'il y avait un genre de motivité de la personne qu'il n'a plus quoi. Ou alors qu'il a. Je sais pas. Ou alors qu'il lag quelque part. Bon, tu fais ton machin là? Alors attends. Il y avait une étoile en dessous là. Voilà! Bordel! Tire sur le mur pour qu'il se casse. T'as fait quoi comme étude? Oui, t'inquiète, Triable, je sais, mais là je voulais juste prendre cette étoile là avant. Je vais y retourner, t'inquiète pas. Il serait une personne qui serait. Comme étude, écoute, j'ai fait un bac à appliquer. Ensuite, j'ai fait un BTS communication visuelle, option multimédia. Voilà. C'est un nom un peu compliqué pour dire du graphisme dans le web. Et... Voilà. C'est en gros un truc un peu compliqué pour dire que je sais manier les logiciels Adobe. Quoi. Voilà, la suite Adobe, on est bon. Quoi. Mais en gros, voilà, c'est... Voilà. Et maintenant, bah, après, j'ai pas trouvé de boulot vers chez moi parce que je suis en clodo. J'ai pas assez fait de boulot pour avoir un book, donc... Quand je passais des entretiens pour des pour un poste de graphiste et tout, bah les mecs ils me disaient c'est bien mais ça chie ce que vous me vendez. Hein. Chez ce que vos projets c'est de la merde. Ah d'accord. Et du coup bah voilà. Et du coup bah maintenant je vais me reconvertir dans autre chose. Parce que, voilà. Et en ce moment je suis dans un délire partir faire du wifing au Québec et me faire une petite ferme de sirop d'érable. Voilà. Créer une ferme de sirop d'érable au Québec. Voilà. Et vivre là-bas. Voilà, c'est un délire un peu moisi, je t'avoue, mais ça me ferait pas mal kiffer. Donc là, je suis en train d'économiser pas mal pour partir cet été en wifing, et puis si j'arrive à trouver un petit job là-bas, dans une ferme stylée et tout, pourquoi pas. Voilà un peu mes projets de vie. Oh putain! Je suis passé au-dessus! C'est toi, Julien Cid, réponds, s'il te plaît. Il surveille des sosies de Ellen Page, quelque part. Ah, mais elles sont pas goûts. Et elles ont pas le même âge. Et elles ont pas la même gueule non plus, hein, t'inquiète pas. Ellen Page, elle est au-dessus, hein, c'est Jérusalem. Ah c'est un bon projet, Sid. Bah, je sais pas si c'est un bon projet, mais en tout cas, ça me fait marrer. Mieux vaut un bon CAP, perso. Non, je suis vraiment d'accord, mec, vraiment. Si j'avais su, gros, j'aurais fait des études de plomberie ou je sais pas quoi, au moins j'aurais un job, une gonzesse, un Laguna et un Labrador. Quoi. Et 7 enfants. Fuyons l'Europe, c'est voué à l'échec. Non mais grave, mec.
Le débouché, c'est bien car je suis en train de faire les mêmes études. Je préfère Bah, Marlon Coco, pour la maîtrise de la suite Adobe. Si, merveille. Ou meuf, Marlon. Fait penser à Zelda, Ocarina of Time. Ouais, t'as des débouchés, gros. Après, c'est juste, voilà, il faut vraiment bien bosser et il faut avoir un bon book et trucs. Enfin, un book. Je te parle un bouquin, hein, pas de la barbe. Mais, oh putain, attends. Si des malades. T'es pas obligé de reprendre le canon. Ah ouais? Le Québec, t'es sûr que c'est que pour le sirop d'érable? Oui. Et puis pour les gonzes aussi, évidemment. Ouais, boulanger, c'est cool aussi. Non mais franchement, pendant un moment, je voulais me reconvertir dans la boulangerie. Mais bon, me lever à je sais pas quelle heure tous les matins, ça me cassait un peu la couille, je t'avoue. Je me suis dit, bon, laisse tomber. S'il a un truc dans l'œil, il menace. Ouais, mais je sais pas ce qui m'arrive. Bon, 10. Allez, il me reste encore... 4, ouais, 4 mondes à faire. Bon, j'ai pas tout fait dans celui-là, mais on va faire un autre monde. Ça commence à pas me manquer. Moi, j'ai fait un CAP vente, alors mes projets, c'est être taxi. Ouais, aucun sens. Et comme moi, quoi. Moi, je suis boucher. J'avoue que boucher, c'est pas mal aussi, hein. Alors franchement, en fait, enfin les boulots comme ça me tente bien. Moi, les trucs un peu l'artisanat et tout comme ça. Je sais pas. Mon truc, bon, boucher, c'est pas être... Si, boucher, c'est quoi? C'est pas artisan, c'est... Je sais pas. Je compte aller au Japon en fin d'année avec mon grand frère, ça va être top. Ça, c'est un beau projet aussi, quoi. Tu fais le pain le soir et tu le réchauffes le matin des jeux d'inconnu. Mais grave, tu es dans la logistique, tu trouves easy avec un C5, je me fais des 2500 euros de paye en bossant de nuit avec l'intérim en ayant juste la SSR2, mais c'est aliénant comme travail. Tu m'étonnes. Du coup, tout le monde raconte sa life. J'ai un ami, il est boulangerie. Attends, il est boulangerie? Est-ce que tu t'as fait une vanne? Ah non. Il est boulanger avec sa copine. Ils ont des horaires complètement différents. Ils se touchent jamais tellement qu'ils se capent jamais. Je pensais que t'allais dire il est boulangerie et menace. Et je t'avoue que ça m'aurait bien fait marrer. Moi, c'est Sylvain, chauffeur poids lourd là. Moi, je suis rentier avec ascendant danseur de claquettes, comme je dis. Faire des godes michés en bois. Ah, il faut bien les poncer et les vernir. Hein. Sinon, attention aux échardes. J'ai un pétrin à vendre d'ailleurs si quelqu'un est intéressé. T'habites à la campagne, pourquoi tu deviens pas fermier? Ça m'intéresse. Enfin, en France, en fait, j'ai pas envie de rester en France. Donc, je te dis, le délire de sirop d'érable, ça me branche tellement, quoi. Là, je te jure, je suis en train de mater des trucs de woofing et tout, je suis en train de contacter des familles. Et bon, je fais ça que depuis le début de la semaine, donc t'inquiète. Hein. Mais ça fait genre 2-3 semaines que j'y pense et je me dis, allez, je bouge mon cul, je fais un truc, tu vois. Et comme avec mon boulot, j'ai la chance d'avoir des vacances scolaires, je me suis dit, bah cet été, vas-y, je me casse. Je me casse, les gars. Salut, Blacky. Bon, on va faire le nain déjà là. Ah, attends, par contre, je sais plus exactement où est-ce que sa pute de maman elle est. Ouais, c'est là. C'est là, non? Ouais, c'est là. On est bon! Si tu fuis son pays et menace. Bah, attends, mec. Chez vous, en HD, au Canada, au calme. Zici, t'as des projets. Bah, bien sûr, mec. C'est juste que, tu vois, je commence à avoir à prendre un peu d'âge et tout, et je me dis, il faut vraiment que je bouge mon cul, que je fasse un truc. Dodo, ça a l'air d'être un bon taf, ton truc. Pâteau triste hier, Blacky. Moi, j'ai tout plaqué pour voyager aux USA, là. Je sais pas quoi faire en revenant. Bah, c'est pour ça, tu vois, moi, si je pars au Canada, au Québec, déjà, c'est pour un certain temps, mais c'est pour bosser là-bas. Donc, c'est pour ça, le woofing, c'est pas mal, parce que t'es hébergé, t'es nourri, blanchi, tout ce que tu veux, tu vois. Et en plus de ça, bon, en gros, t'as juste l'aller-retour à payer. Donc, c'est quoi? C'est aller 600 balles aller, 600 balles retour.
Voilà, donc t'as juste, ouais, tu te fous de côté, allez, tu te mets de côté 1500 balles. Voilà, tu payes ton billet, ça te fait, il te reste 900 balles pour t'amuser là-bas. Et puis après, t'es peinard, quoi. Et en 2 mois, t'essayes de te trouver un job, un truc, tu contactes un peu des gens, tu montres que t'es grave motivé et tout. T'expliques que voilà, t'es prêt à déménager, à trouver un truc, à... Voilà, faut se démerder, faut se créer des contacts, et puis mec, enfin, y a pas de raison, quoi. Je pense que les gars, ils vont voir un Français arriver et dire, vas-y, je veux bosser dans une ferme de sirop d'érable, gros, je veux bosser avec vous, je suis ultra motivé, je vous suce la queue, tu vois. Ils vont dire, bah gros, vas-y, carrément, quoi. Et les Québécois, en plus, mec, enfin, ils sont super cool, quoi. Enfin bref, voilà, quoi. Tout ça pour dire que... Tout ça pour dire que... Vu que t'es pourri... Vas-y, va chercher la bouteille de ricric. Fais pas ton ricrac. Attends, y a pas une étoile là? Il me semblait qu'on chopait une étoile ici. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah non, peut-être ici. Non? Mais c'est quoi qui t'attire au Québec? Bah tout, mec. Les gens me font triper, la langue, je trouve ça génial, l'accent, je kiffe ma race l'accent. Enfin, ça déchire, mec. Pour moi, c'est un pays de ouf, quoi. Je te prends en femme de ménage, au majordome dans mon palace, tu pourras même me sucer. Moi, je vais ouvrir un stand de barbe à papa. Si tu vas faire des blowjobs au Québec. On en reparle l'année prochaine. Mais bien sûr. Mais ça se trouve, je ferai que dalle, enfin, tu vois. Si tu veux faire la soubrette au Canada. C'est pas si simple que ça, mon gros. Alors, attends. J'ai un couple d'amis qui vit depuis 6 ans là-bas maintenant. Je peux t'assurer qu'ils ont galéré pendant 3 ans avant de bien pouvoir s'installer et trouver un boulot. Bien sûr, mec, bien sûr. Mais si je me lance pas, je ferai rien, tu vois. Et même si je foire, au moins, tu vois, je me dirais, bah, j'ai tenté, quoi. Tu restes en France, tu taffes en Suisse et tu fais des couilles en platine. J'ai un pote qui fait ça, qui habite à la frontière. Il a une paye suisse, mais il vit en France. Et mec, laisse tomber, quoi. Salut Spiris! Comme à Villeurbanne, si. C'est pas faux. Mais le problème, c'est qu'à Villeurbanne, je suis parti sans projet de base. Salut Nawak. Là, je te dis, si je pars en woofing, déjà, tu vois, je bosserai, je ferai un truc, tu vois. Et en plus de ça, si je peux me démerder, je me démerde, tu vois. Et oui, voilà. En gros, je veux pas y aller en vacances, quoi. Ma chaîne touche à mon pénis, t'entends? C'est mon bling bling, je crois qu'il. Merde, je pensais le baiser, hein. Ah putain, je fais n'importe. Projet, c'est de me barrer en Suisse. Il y aura une rediff du live, je pense, ouais. Mon médaillon, bande de love. Ouais. Bah, je connais pas trop ce mec. Hein. J'en ai un peu un à branler d'ailleurs. Bon, il commence à me faire chier ce pingouin là, con. Ça te tente pas de déménager à Colmar? Alors, apparemment, maintenant, t'es sur Colmar.
Putain! Il saute tout seul, ce PD, non! J'ai vécu dans le Nord. Je sais ce que c'est. À cause de tes envies de Québec, Sid Ahmed s'est fait péter à Bruxelles et menace. Ah putain! Salut Mobius d'ailleurs. Je sais pas si je t'ai dit bon. Si, je crois que je t'ai dit bonjour, je sais plus. Viens en Bretagne, faire marin ou agriculteur. Ah, marin, c'est chaud. Ouais. Putain, le pagouin, aussi chaud qu'un boss de Dark Souls. Oh non! Putain, il est plus dur que le boss de fin de Dark Souls 2, les gars! Putain, fait chier, quoi. Non, mais il pète grave les couilles, là. Franchement, le passage de fin avec le petit bouton de glace de pute, là. Ah, c'est compliqué, quoi. Tu vis à Maubeuge. Mais ta race, toi! Maubeuge, attends, ça me dit un truc. Ça vient. C'est un sketch, c'est quoi, Maubeuge? Ça me dit un truc. Allez, c'est ma dernière vie là. Hamdoulilah, comme on dit. Arclin, mon frère, je me le ferme. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh le bâtard. Ah, il me stresse. En fait, faut bien rester au centre. J'ai fait un peu dans les couches, là, je te le dis. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, ce PD? On peut pas lui parler? Ah, si, c'est bon. Le clair de lune à Maubeuge. Oh, tu parles arabe? Ahmed te manque. C'est un peu ça, ouais. Ah, il faut s'instruire, faut parler un peu des langues. Ce niveau, c'est le combat Edge versus Jerry Storm. Salut Grunch. Ouais, non, il m'a bien pété les couilles, ce pingouin de pute, mais on a réussi, ça y est. Meilleur score. En même temps, j'en avais pas fait de score avant. C'est un peu facile de faire un meilleur score. Enfin, ouais. Allez, ta gueule, Jackie. Oh, les 8 pièces rouges. On va tenter. Je pense pas que ce soit très très dur. Juste que je les repère une fois, parce qu'à mon avis, je vais en zapper pas mal. 8 pièces rouges. On n'a pas une là. Y a pas un délire ici, là. T'as déjà tourné une en bas, là. Oh putain! Oh le con. J'ai failli tomber. Ah putain, attends voir. Attends voir. Y'avait aussi. Alors attends. 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 Bacan Goku. On a une là. Les 8 pièces dans ce niveau, c'est casse-couille. Bonsoir Sid, bonsoir le chat. Y a-t-il plus de skill que chez les messieurs ou bien salut Kimo? Bah écoute, je sais pas, à mon avis ça se vaut à peu près. Je t'avoue que le jeu est assez... est pas tellement récent dans ma tête. Hein,
La dernière fois que je l'ai fini, ça doit remonter à... Ouais, je pense tout début de mes vidéos, donc ça devait être 2010 par là. Il y en a une ici ou pas là sur le petit strapontin là? Je crois pas, hein. Non, je crois pas qu'il y en ait ici. Donc là-bas. Ok, on va descendre. Là non. Il y en a une en bas là. Ok, il y en a une là-haut. Vers le sapin. Le sapin! 5, 6, putain, il m'en manque que 3? Waouh! Mais t'en as qu'il y en ait 3 ici, hein. À la limite, le niveau dans le désert. Il y en a une en bas de la glissade. Ah, qu'est-ce qu'il a dit, Benoît? Je lui ai dit, ouais, comme ça, on l'entendrait péter en live plus souvent, ça serait agréable. De quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Chibi Lady? Attends, j'ai pas vu. Allez, en vert, machin, là. S'il fait agriculteur, les choux-fleurs et artichauts, ce sera pour sa gueule. D'accord. Ouais, ça avait pas le coup que je remonte aussi loin. Et toi, Sid, quel schtroumpf serais-tu? Ah, je serais le schtroumpf grognon, je pense. Le schtroumpf bourrin, quelque part. 2010, ouais. Le schtroumpf nazi. Attends, what? Pourquoi il fait où, là? Donc, je vais voir là-bas. Je sais qu'il y en a une à gauche, vous inquiétez pas. Je vais juste voir si on n'a pas une là. Si... Ah bah si, c'est bon. Putain. Kimo, pour la bienséance, mon Sid. Ah, bah merci, mec. Merci, mec, tu fais plaisir. Ah tiens, regarde la bienséance. Voilà. Ah putain, non! Ah oui, merde, non, c'est ici, non? Ah merde, donc j'en ai zappé une, alors. J'en ai zappé une. J'en ai zappé une! Chut, chut, chut. Il n'y en a pas dans le... Sur le truc de glissade, là. Il faut se laisser tomber à un autre endroit. Ah, merde! Alors, attends voir. Est-ce que tu penses que de là je peux le voir ou pas? Putain, c'est super chaud là. Attends, peut-être ici. Ah, il commence à me faire glisser ce con. Bah, je sais pas. Si tu te plantes, c'est fini. Bah, ouais, c'est pour ça quoi. C'est pas en dessous là? C'est pas ici? Pas là? Ah putain, c'était là. Eh, hey, demi-god ou pas, les gars? First try. Bon, par contre, merde, faut voir où est l'étoile, quoi. Ah putain, elle est là-haut? Attends, comment j'y vais là-haut? What? Allez! Ça, c'est de la skill! Oh là 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 là. Mais je suis tellement skillé, les mecs. Je m'en rends pas compte. Ce skill que j'ai en moi, que j'émane, tu vois. Salut Gorgarex. Salut Sid, content, bien adoré de te voir sur ce magnifique jeu. Tu vas le torcher dans la soirée? Ouais, avec le glitch des escaliers, t'inquiète. T'inquiète, mec. Il est daron, BUSNES en plus, ça fait bader. Oh là là là. C'est Mitmit qui fait du bruit. Ouais, je crois que c'est elle qui queen. Enfin, c'est pas Nimid, c'est Carrie. Mitmit, elle gueule plus, elle gueule pas trop en ce moment. C'est plutôt Carrie qui casse les couilles tout le temps. D'ailleurs, dans la vidéo sur de Dark Souls 2 là que j'ai mis, on l'entend queener, mais trop pète couilles quoi.
pendant 10 minutes, quoi. L'autre, elle gueule pendant 10 minutes, quoi. Jamais vu ça. Va dans les autres niveaux. Bah attends, en fait, je me fais 5 étoiles par niveau. Parce qu'il m'en faut 30. Donc là, on est presque à la moitié. Bon, je me suis planté, non? Comment on fait pour lui faire rouler sa gueule là? Salut Akashi. Tu feras les galaxies ou pas? Bah, je pourrais, hein, je les ai déjà fait, mais. Normal, elle gueule, c'est une femelle. Salut Dixansas. Salut Kiwix. Les Gakinou. Ah, pas mal, pas mal. Ah, attends, parce que là, ça m'emmerde. La tête, je sais plus comment. Peut-être qu'il faut la taper au dernier moment, histoire qu'elle s'arrête. Je sais pas quelle agit là, mais je suis content qu'un fragile comme lui ne soit pas parent avec moi. Ah, j'avoue. Pascal le grand frère. Salut Pierre Pasol. Pierre Pasolini. Salut Valros. Et pas en émulateur avec la vraie console, c'est good. Bah mec, évidemment. Moi, jouer avec un émulateur? Jamais. À la grenade, tout ça. C'est Hooper qui m'a tout appris, mec. Salut Marty, bonne nuit. Ah, attends, peut-être qu'il faut lui mettre un petit coup de latte au cul à toutes et à toutes, je pense. Histoire que ça le calme. Oh putain. Non, mais merde. Bah merde, je sais pas comment on fait. Bon, faut taper dans la tête, non? Ou alors il faut pas se mettre juste devant la boule. Je crois qu'il faut se mettre devant la boule. C'est ça? Peut-être ça. Et ah ouais, voilà. En fait, c'est le corps qui nous suit. C'est bien ce que je pensais. Merci, Saster. C'est ce qui me semblait. Ouais. Faut bien se mettre devant la boule et puis aller jusqu'à la tête. Ouais, bonne nuit à ceux qui partent. Et salut à tous, c'est XR. Bonjour à tous ceux qui arrivent sur le chat. On est presque 500, ça me fait plaisir. On est beaucoup plus que sur GameCult. Hein. Évidemment, avec le respect, hein. J'aime beaucoup Exerve. Je dis ça avec de l'humour, évidemment. Putain, je peux même pas passer devant, quoi. Non mais what? Putain, ça me casse les couilles. Pour quelques pièces. Non mais ça sert à que dalle. Putain. Faire rouler la boule et bien se mettre dedans. Alors sinon si, on te harcèle pas trop depuis que t'as donné ton numéro en live. Non, non. Au pire, tu sais, je bloque les numéros. Moi, je l'ai pas fait, mais si on m'avait saoulé, ça, je bloque les numéros. Je suis peinard. Ouais, mais je suis un gros con, hein. Je suis un gros con. Je sais même plus pourquoi en plus. Je crois que c'était pour Marty. Je vais dire ouais Marty, t'es trop cool. Tu donnes des dons, alors vas-y on fait une soirée, appelle-moi. Enfin je sais plus ce que c'était, j'étais trop bourré. Tas de merde d'abord, quoi.
Putain, mais je peux pas passer devant, là! Oh, la blague. Et allez! Bon, vas-y, allez, j'arrête ce niveau, c'est à chier. J'arrête ce niveau, c'est de la merde. Allez. Si tu me files ton numéro. Ouais, bien sûr. Non, non, mais c'est bon, je l'ai fait une fois, j'ai déconné. Bon, blablabla, bla, bla, merci, bonsoir. J'ai pas d'image ni de son. Ah, il y a un... ouais, ça vient de chez toi. Hein. Moi, je n'ai point de soucis. Ah, les musiques Kiwix, ça, oui, elles sont excellentes. Évidemment. J'ai ton numéro, je vais te pourrir l'existence. Bah, vas-y, écoute, je te bloque, quoi. Tu sais, j'ai un truc sur mon téléphone, je peux bloquer les... un numéro complètement. Donc, je reçois plus d'appels, plus de SMS. En fait. Et j'ai même un pote gendarme qui m'a filé un numéro spécial de gendarmerie où j'ai juste envoyé le numéro de la personne qui m'emmerde à ce numéro là et il le bloque définitivement je sais pas quoi tu vois. Donc t'inquiète. Donc si tu veux me casser les couilles Sikune, ça marchera pas. Mais tu peux le faire, tu peux t'amuser. Faut appuyer sur play. Allume l'écran les enceintes. C'est lui ce que je Bitman. Silent Hill. Ah, c'est vrai qu'il était pas mal. Enfin, moi, je préfère... Ça reste quand même le 2, mon préféré, mais... Le 1 était pas mal. Et je l'avais fait à l'époque sur la... Enfin, même pas. Je l'ai même... Justement, parce que je l'ai même pas fait à l'époque sur la PS1, quoi. C'est-à-dire que je l'ai fait... Il y a pas très longtemps, peut-être 2-3 ans, et... Malgré les graphismes dégueulasses, j'ai quand même kiffé ma race, quoi. Bon, évidemment, faut s'accrocher, hein. C'est quand même un jeu assez dégueulasse, hein. Là c'est moins 21 secondes pour avoir la deuxième étoile. Ouais c'est ça. Donc je ne l'ai point. Ça c'est chaud hein, à faire moins de 28 secondes. Ton pote il s'appellerait pas Arthur? Non pas du tout. Le fameux pote. Le haut placé. Non mais même pas, c'est juste un pote de BTS quoi. Avec qui d'ailleurs je n'ai plus de nouvelles mais j'ai toujours le numéro. Comment tu vas? Salut Logan. Et les autres, comment ça va? Je suis trop content, je suis cookseur et menace et site Twitch pour me soigner. T'es cookseur? Couché, j'imagine. Couché, pardon. Oui, couché, ça doit être ça. On va y arriver. Faut bien prendre les virages à l'intérieur. Allez, yes! C'est ça, moins de 21 secondes, c'était bien ça. Allez, c'est pas trop... C'est peinard. Je suis un éternel incompris. Cookseur et menace. Mais le gars a écrit Cookseur. Il y a un pas dans la prononciation. Il a écrit Cookseur! Commencez pas à casser la couille! Il a fait un BTS et il sait à peine lire. Ferme ta gueule, mais remonte sur son message! Putain! Il y a un X, on est d'accord! Commencez pas à faire les cons, putain! Non, attends, je. Ah, si je peux faire ça. Attends. Alors, je sais plus trop où est la clé. Ah si, c'est ça, d'accord.
S'il se justifie et menace. On peut pas faire de dons par carte bleue, je suis triste et menace. Ah, Chocapix, ouais, apparemment c'est PayPal, c'est PayPal. Oh putain! Oh, j'ai déconné grave. Merde, j'ai pas activé les escaliers. Les escaliers menacent. Ouais, même la musique, cette musique-là, elle est vraiment cool. Quoi. Je déteste les niveaux de Bowser. Donc... C'était une erreur, effectivement. Je voulais écrire coucher. J'ai bien compris. Il sait faire des montèmes. Allez, Taras. Alors, ça, c'est vraiment. Je déteste ce truc. Voilà. Genre avec le boss de fin, je vais trop galérer, je le sens. Et surtout qu'à chaque fois que je crève, t'es obligé de te retaper le stage de Bowser. Plus le glitch des escaliers, enfin on va vraiment galérer. T'as pas trop de problèmes avec le stick de la manette? Non, non, ça va. J'ai pris une manette justement avec le stick qui est pas trop dans les godasses. Si tire sur la queue et menace. Bon, alors je crois qu'il faut. C'est pas la bonne clé hein, pour ce dont j'ai besoin, mais au cas où, on va essayer. On va voir. Peut-être à la cave. Solange, c'est une bobo atlantiste. Talmudo, téléramationniste. Ça déchire. Ah, pas mal Blacky à ton lien. Bon, je t'avoue que j'ai pas cliqué, mais le titre me fait marrer en tout cas. Le délire graphiste machin. À la cave pour une tournante. C'est ça. Alors attends, je crois qu'il y a Todd qui file une étoile là. Non. Il file pas une étoile ce PD? Quel PD? Attends, il faut attraper ce lapin à la con. Putain, il insulte et menace, hein, ce lapin. Quel enculé. Ah, je l'avais! Et voilà, lapinou!
Mais non, les gars, Sid, c'est un romantique, il lui ferait la totale, McDo, fleurs et balade dans les champs. Tintin en Syrie. Ouais, le Gorafi, bon. Faut lui plonger dessus au lapin. Oui, t'inquiète. C'est quoi ce gif à gerber des SK? Il y a un mec à la fac qui distribuait des tracts pour des votes sur la loi du travail et pour lui faire, le faire fuir, moi et mon pote, on lui a dit qu'on était anarchiste. Ah, t'aurais dû lui dire que t'étais anti-sioniste. Là, il aurait dit, quoi? Vous êtes antisémite? Sid qui court après les lapins comme les gamins à Pâques. Sid qui court après son Big Mac. Let's go. On va y aller tranquillement, hein. Parce que si tu tombes dans les sables mouvants, là, tu crèves direct, alors c'est bon. Oh putain. C'est bon. Dans les griffes du vautour. Je suis plus trop haut, je pense qu'il faut monter là-dessus, c'est ça? Ah bah je l'avais pas. Ah bah voilà, c'était pas compliqué, putain! Après 1 heure. Qu'est-ce qu'il y a, Mugi? Oh, il est pas beau et chiant ce monde. Ouais. Enfin, l'extérieur, ça va encore, mais c'est vraiment l'intérieur avec la pyramide, c'est super relou, quoi. Ah, t'inquiète, il nous reste 12 étoiles. Hein. Dans 12 étoiles, on finit le jeu. Ah, qu'est-ce qu'il a, Mugi? Enfin de retour avec l'image et le son, après 1 heure. Ah merde. Il y a effectivement un certain pain là. Merde, attends, du coup, j'ai pas vu le. Au sommet de la pyramide, d'accord. Ah, attends, mais faut pas débloquer la. Putain, si, faut débloquer l'étoile. Pour ça. Enfin, l'étoile, la casquette, pardon. Dark Souls 3 bientôt. Putain, j'ai hâte, mec! J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ça va déchirer. Elle est trop haute, je pense que je suis baisé. Ouais. Ouais, je suis baisé. Putain, merde. Ah putain, attends, laisse tomber. C'est trop hard, le truc de la casquette, là, c'est trop dur. On va retenter. Je sais pas si on peut, remarque. Ouais, non, là on peut pas, je pense. Hein. Ah, on peut pas remonter aussi haut là. Que donne le taux dans le niveau du souterrain. Attends, what? Je peux pas retourner là? Je peux pas refaire ça? Ouais, c'est bizarre.
Putain, les gifs de cul, je suis avec mes parents. Merde! Ah, enfin, merde, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais on peut pas le refaire, le monde, là? Mais attendez, c'est complètement débile. Vivement le meilleur Mario du monde. Vraiment, pardon. Vraiment le meilleur Mario du monde, le 64. Alors, moi, je préfère le Galaxy. Ah, on peut pas le refaire! Ah, moins que... Ah oui, d'accord, pardon. Ok. Faut juste suivre les pièces comme ça. Oh merde, j'en ai loupé une! Nickel. Merde. Oh la connerie quoi. Salut Chino. C'est une des plus dures celle-là. Non ça va, mais en fait faut vraiment pas se cuter dès le début quoi. Dès le début faut partir. Ouais, dès le début, tu pars en fait. Faut pas en louper une seule, quoi. Allez. On tient le bon filon, là. Merde. C'est bon, attends. Je vais m'en refaire une. C'est les plus basses. Je pense qu'il y a moyen. Attends. Oh la galère. Sont là. Ok. Ah! La huitième, s'il vous plaît, Seigneur, la huitième! Bon, y a pas de timer, ça va. Salut, Big Stewie! Ok. Là. Oui! Maintenant, faut que je revienne. Voilà. Au calme. Au calme. Bonsoir ou bonjour à toutes et à toutes. Salut site de la personne. Les noix chez le Quintro. Je vais rien dire, mais bon, c'est pas pour rien que je suis marié à une Asiate, avec tout le respect que je lui dois, bien entendu. Ah, t'as bien de la chance, mon. Moi, les Asiatiques, avec les sosies d'Hélène Page, évidemment, mais... Je les trouve plutôt pas mal. Alors, attends. Ok, on descend. Bon, il reste 11 étoiles. Même niveau de dialogue... Même niveau de dialogue que Link Super Nintendo. Bah, je dirais, moi je dirais même pas pareil que Link, parce que Link ne parle pas, donc... Et salut, Female Monster. Female. Female. Oh yeah, female. J'ai parlé au Todd, il donne pas de champotte, hein, gros. Enfin, d'étoiles, hein. Non, ici, il n'y a pas de Todd, on est d'accord. Si des rêveurs. Ce qui n'est pas encore énervé. Stream de la sérénité. Eh hey. Eh pas moi qui ai sorti, eh. Alors, attends.
Il donne pas d'étoiles, lui. L'anglais du tanguy de la personne. Et il donne pas d'étoiles, lui, hein. Donc, je sais qu'il y en a un qui donne une étoile, mais ça doit pas être lui, alors. Ouais, vous me dites c'est au sous-sol, après vous me dites c'est à l'étage. Aucun sens, tout ça. Allez, j'y vais, bonne nuit les geeky. Bah, bonne nuit, Jumpman Live. Ah, je l'aime pas ce mot. On va quand même y aller histoire de gratter une ou deux étoiles, mais ouais, je l'aime vraiment pas. Y'a pas un Toad ici? Si, il est là. Oh, ce bug! Je suis en train de faire glitcher le jeu. Ah, voilà. Dans la salle du niveau, et eh ben voilà, là tu vois, j'y suis. Ce niveau, c'est le cancer. Il y a les sosies d'un NPC de la personne au Québec. Bah écoute, j'espère. Étage où il y a plein de tableaux. Ah, je peux pas y aller encore. Il me faut la clé. Que je trouve. Oh, attends, c'était quoi le niveau là? Gros bibi de la caverne. Ah putain, oui, c'est le. C'est le dino là. Je crois que c'est à droite le dino. Je dis pas de conneries. Ah, ce niveau c'est l'enfer. Il est vraiment moisi. Hein. Ah, en vrai, quand tu le connais bien, ça va. Mais ouais, il fait mal à la gueule. Ouais, donc en fait, c'est pas du tout là quoi. Je sais pas, c'est la première fois que je viens sur un live de Cid. De quoi? J'ai passé des soirées sur. J'ai un stock de fou. J'ai du stock de fou. Sur TOR. Ah, éclaire-moi sur ce que c'est. Peut-être que je connais le jeu, mais en général, les. Les anagrammes, c'est ça qu'on dit? Non. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, je galère un peu, donc il faut m'aider. TOR, c'est pas un jeu, non? Ça me dit un The Oracle of Rage. Je sais pas. Petit jeu de mots. Bon, c'est pour aller sur le Deep Web. Ah oui, d'accord. Ah oui, Thor, oui, d'accord. On s'en rend du Deep Web. Attends, mais pourquoi? Je crois que c'était un jeu en fait. Je le connais quasi par cœur, en speedrun avec glitch, tout le bordel, mais en légit, je sais plus du tout. Ouais, mais moi c'est un peu pareil. Enfin, je le connais pas du tout par cœur en machin, mais. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, d'accord, t'as été choper des gifs dans le Deep Web. Des anacronymes, on dit. En bourguignon. Si de l'innocent. D'accord, en fait. Ok, je viens de comprendre. J'ai pas suivi la discussion jusqu'au bout, donc. Ah oui, ça c'est avec le. Ah oui, c'est avec ça, putain. Non mais vous savez quoi, on va ignorer ce niveau parce que c'est vraiment de la merde quoi. Ouais, je peux pas faire ce stage de merde. Je crois qu'on a fait tous les stages ici. Hein. On va faire le niveau de la flotte un peu. Oh, je croyais l'avoir. On va faire un peu de flotte, hein, désolé. Hein. Mais j'aime bien la musique. Donc ça va. Donc c'est quoi là? Piller le bateau coulé. Ouais. C'est vrai que putain ce stage c'est vraiment relou quoi. Ouais, c'est histoire de se relaxer un petit peu là avec la musique. Ah, elle est vraiment dingue cette île quoi. Tu vois, c'est ouf parce que à côté ils te font un niveau super pète burn dans la flotte, mais ils te mettent une musique tellement stylée que du coup ça passe, mais au calme quoi.
Alors je sais plus exactement comment on pille le bateau coulé. Il y a un trou peut-être quelque part, je sais plus. S'il y a quelqu'un qui le sait, hein, je me rappelle plus. Je vais reprendre un peu de flotte. J'adore cette musique de Megaman. Old but gold, celle-là. J'attends que quelqu'un me dépanne. Les aventures de Chatran. Merde, c'est quoi ce truc? Tu vas faire sortir l'anguille en passant devant. Bah ouais. Bah attends, je viens de le faire en fait. Ouais, c'est ce qui me semblait, mais... Ah oui, non, d'accord, je l'ai fait, mais juste qu'elle n'est pas sortie tout de suite, en fait, d'accord. Donc c'était bien ça, effectivement. Putain, oui, je m'en rappelle. Oh putain, c'est horrible ça. Attends, je vais crever avec ces conneries. Putain, j'arrive pas à prendre la bulle. Oh putain. Big Siwi, Devel, Cartman insulte et menace à vouloir me latter les couilles. Vlad2Zero pour une fois que j'arrive à être présent sur un live. Ah bah merci mec, ça me fait super plaisir. D'ailleurs, même Zulman est très content. Ah oui, il y a un ordre, c'est vrai, putain. Ok, c'est bon, c'est ça. Et prends la bulle, connard! Putain, j'ai la tête dedans, quoi. Ensuite, je dirais celui-là. Oh, putain. J'ai de la chance. C'est du pif total. Hein. Et celui-là? Yeah! Pif totat! Pip, 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 pif totat! Tequila Heineken! Tequila Heineken! Tequila Heineken! Portan niese! Portan niese! T'es prêt pour un don, mec? Bah, toujours, gros! Toujours, Chris! Yes! Putain, 21 étoiles, les gars! Encore 9 et on a la fin du jeu. Chibi Lady qui pleure pendant la live. Oh, allez, c'est bon, j'ai eu ma petite larmichette. Lol, ce jeu me rappelle tellement de souvenirs. Cette musique en plus, j'adore la belle époque. Ah, Chibi Lady, t'as un peu une David Lafarge de la personne, mais je comprends. C'est dit qu'elle est vraiment pas mal. Hein. Franchement, elle fait plaisir. Ah, l'anguille, ah oui, je m'en rappelle. Il faut. Ouais, il faut lui. Il faut lui lécher la queue, au calme, tu vois. Et elle te file... Ouais, il y a l'étoile derrière son cul, là, ouais, je me rappelle. Sous Skybur. Ah, salut Nestafaya. Comment vas-tu, gros? La forme? Y avait pas le magique ou pas? Salut, Mr. Danton. Danton. Y a pas le magique ou pas? Elle est là, la rada, sa merde. La pute à toutes et à toutes. Putain, inoffensif à crever, l'autre. Bon, est-ce qu'il y a moyen de choper l'étoile quand elle passe comme ça? Je pense, hein. Ah, c'est pas évident. Oh, non! L'anguille! Oui! Merde, par contre, j'ai pas vu où elle était tombée. Attends, je vais prendre un peu de pièces parce que je sens que je vais crever dans pas longtemps. Elle est là. Peut-être qu'elle la rattrape après, donc faut faire gaffe. Yes, I! Et un adorateur des Fig Fallout. J'ai un booster Pokémon de 200 € à donner.
Ou alors, je veux te chanter le générique de Pokémon pour que tu verses encore tes petites larmes. Ça va la famille? Putain, je déteste ce level. Ouais, moi aussi, mais bon, faut bien faire. J'aime bien la musique. Fais le monde de fantômes. Ouais, t'inquiète, je vais là, pas. Go. Trésor dans la caverne. Ah oui, si, je me rappelle. Je sais où il faut aller. Oh, ça va, j'ai encore le jeu frais dans ma tête. Hein. Bon, c'est grâce au let's play des citrons. Bon, DSK en short, on arrête un petit peu les gifs de merde là. Avec le respect, hein, mais bon, les trucs du deep web. Enfin, le deep web, je trouve ça tellement pitoyable que. Je préférais qu'on évite ça ici, là, on est dans la bonne ambiance, et t'es en train de dégoûter tout le monde. Donc, que décides-tu de faire, DSK? Il est frais dans ta tête! Le chat s'est interminé ce soir. Mais voilà, c'est pour ça. Ah merde, je me suis bouffé en pleine gueule, le bordel. Je l'ai pris dans ma tête. Ah, la vache. Alors, putain. Il y a une 64 sur la photo. Vous avez vu? Je fais comme une erreur, parce que c'est la même sorte de erreur que des Pokémon. Fragilité sur 20. Pardon si je me calme. Bah, c'est pas vraiment pour moi, parce que moi je regarde pas, mais. Ok, d'accord, donc là je suis en train de faire vraiment n'importe quoi. Ah oui, d'accord. Ok, je suis dans la merde. Putain, faut m'éclairer sur la suite du programme. Oh putain, ça y est. Celui-là. C'est bon, putain. J'ai cru que j'allais crever comme une sourasse. Putain, si de ce beau gosse, il lit tous mes messages ce soir. Eh mec, regarde ça, putain. Moi, je lis le chat, les gars. Parce que sinon, voilà, l'intérêt d'un stream, c'est que vous soyez là et que vous parlez. Quoi. Je vais pas m'amuser à jouer à la... Sinon, tu vois, je fais pas de stream et je joue dans ma chambre en pyjama, tu vois. Mais toujours au calme, tu vois. C'est quoi le Deep Web? Chris, c'est un endroit où il ne faut absolument pas foutre les pieds. C'est le genre de truc. Putain, mais. Allez, bah bravo. Monde de PD. Ouais. Tu peux grimper là ce con ou non ou pas? Quand tu sais chercher, on peut trouver des trucs super cool dans le deep web. Ah bah écoute, c'est très bien. Moi j'ai pas besoin du deep web pour être bien dans ma vie, mais s'il y en a une IA qui veulent et qui aime bien ça, c'est de votre faute uniquement, quoi, papa. Là, il n'y a pas un délire avec le canon. Il me semble. Tout ça en Bitcoin. Viser une plateforme. En haut à gauche. Cette merde là. Putain, on voit que dalle. Ah oui, d'accord, ok. Ah, c'est super chaud. Bon,
je vais retenter. Elle n'est pas capable de faire Silent Hill 2, mais elle maîtrise Mario 64 au calme. Bon, déjà, je vais voir si... si je peux pas trouver les pièces rouges, là. Oh merde! Putain, j'ai sauté, putain. De toute façon, je joue à Dark Souls, là. J'ai esquivé, putain! Bah non, t'as pas esquivé, connard. Sinon, tu te serais pas fait baiser. Ah oui, c'est pas faux. Allez! Ta race là. Ouais. Je t'apprends le respect, moi, jeu de merde. Attends, pas déconner là. Voilà. Nickel. Oh putain, par contre, je sais plus. Y a que... Non, il y en a dans la flotte des pièces aussi. Non, on peut pas aller dedans. Mec, y'a que moi qui réussis le glitch des escaliers. Haha, Ahmed, t'inquiète, mec. Je vais le défoncer, mon gars. Oh, la pièce rouge. 5. Non, je vais pas prendre la coquille à la con. Ah, putain. Allez, on y est presque, là. En fait, c'est chiant, quand même. Je me rappelais pas que c'était aussi chiant. Bonne nuit, triable. Ah, salut, mec. Regarde, dame. Il y en a au fond, là, aussi, je crois, non? Ouais, il y en a une dans le coquillage. La haine. Non, ça a un niveau, ça aime pas. Il m'en reste une. Je dis pas de conneries, je crois qu'elle traîne comme ça là, non? Si y a quelqu'un qui serait me dépanner et me dire où c'est la dernière, il serait bien aimable. Blacky, non mais t'inquiète. Et juste que j'aimerais bien faire les pièces rouges avant en fait. Comme là je suis parti quoi. Je crois que c'est le seul niveau que j'aime pas dans Mario 64. Ah moi j'aime pas le niveau des métal là, des grottes métal là. Les gars il m'arrive un truc assez relou, j'ai plus envie de jouer aux jeux vidéo depuis quelques temps. Pourquoi? Parce que t'as pas trouvé de bon jeu je pense. T'en as marre qu'on resserve tout le temps la même soupe. Ouais, l'anguille, je l'ai déjà fait, en fait. Mais là, je cherche juste la dernière étoile... La dernière pièce rouge, pardon. Salut, Ezio. Ah, tiens, c'est cadeau. Bon, je vais tenter d'aller dans le trou, là. Oh, putain, attends. Ah non, c'est mon ombre. Peut-être qu'elle est dans le trou, par là. Thank you.
Ouais, mais je vais voir dans la grotte si elle y est. Je crois pas. Non, elle est pas là, la pièce rouge. Non. Putain, ouais, il nous avait promis des jeux plus faciles de programmer, mais c'est toujours des redites. Ouais, bah elle est pas là. Vas-y, grand fou, je vais tuer des bébés. Ah, ça fait chier ça. Il me semble qu'elle est quelque part là, genre elle traîne autour. Et... Non, on l'aurait vu quand même. Non, elle est pas là, clairement. Ah, adopte un mec, c'est pareil. J'ai dégagé ça à la grenade automatiquement. Ça rend de la grosse merde. Salut, sans Vegeta. On joue à BO3 en multi. On joue à Catherine. Joue à Dark Souls, putain! Tu as kiffé ta race, gros. Tuerie. Une tuerie, mon gars. Oh putain, elle est où cette étoile de... Cette putain de pièce de merde, là? Ça commence à me gonfler, ça. Objectif, salut Dan Marino, bah c'est de finir le jeu. Oh what? Je crois que je l'ai vu juste derrière moi. Attends. Je l'ai vu juste derrière moi qui clignote. Non? Attends. Attends. J'ai vu un truc rouge derrière moi quand j'ai pris le canon là. J'ai eu un. Non, j'ai eu un pain. J'ai eu un pain, pardon. Je m'excuse, hein. Je m'excuse de mon pain. Putain, eh, sans déconner, ça me gonfle, quoi. Le 12 avril, Sid sera un peu. Sera comme un petit fou. Ah, mec. Là, j'ai presque fini Dark Souls 2, là. J'ai qu'une envie, c'est d'attaquer le 3. Donc, c'est pour ça que je fais les DLC, tu vois, histoire de bien me bourrer à fond. Mais... J'en peux plus, mec. J'en peux plus. C'est le meilleur jeu de l'univers, la meilleure saga de jeux vidéo de tous les temps, mec. Putain, elle est là, mais quelle connasse! Dégoûté! Ça fait 10 ans que je cherche alors qu'elle était à côté de moi, quoi. Bon, c'est pas grave, on aura mis 1000 ans pour trouver la 24e étoile. T'as commencé le second DLC, Jean-Jean? Non, non, non. Non, non, mais comme je le fais en vidéo, bah... Je sais pas quand est-ce que je vais m'y mettre, mais... Ce week-end, sûrement, ou... Ah, oh, putain, je vais mettre 5 ans, là. Ah, oh, il m'énerve à glisser, ce PD, là. Allez. Dark Souls, c'est pas des bons Megaman. Mais bien sûr que si, mec. Ça déchire. Je suis en vacances le 12 avril en ayant préco ce que vous savez. Ah oh, putain, le mec, il va passer ses vacances dessus. Mais t'as raison, mec, c'est normal. En plus, il n'y a pas de jeu que j'attends comme un ouf. Si tu penses finir le jeu en combien de temps? Oh, je sais pas, une petite heure. J'ai pas dit ça, mec. Jamais j'ai dit ça. Alors le mec, il m'invente des citations, quoi. J'ai dit 1h30, 2h. Ça fait 1h50. Allez. On va gratter un peu plus, mais allez, 2h30, 3h.
Mais on y est presque, hein. Putain, si j'arrêtais de jouer comme un autiste, pardon, ça serait cool. Voilà. Là, ça va très bien. Life is Strange. Oh putain. Ah, il faut que je m'y remette. Là. Mais t'inquiète, ça va revenir. Tu sais, c'est comme Resident Evil, hein, au bout d'un moment. Non, mais c'est impossible à atteindre cette plateforme là. Enfin, en même temps, je l'ai déjà fait. Hein. J'ai fait les 120 il y a 1000 ans. Oui, je bosse demain, Ahmed. Par contre, demain soir, on peut faire un petit truc. C'est vendredi. Bah, en plus, mec, week-end de 4 jours là. Moi, je bosse pas le vendredi, donc je suis bon. Vendredi, samedi, dimanche et lundi de Pâques. 4 jours, les gars. Et on peut picoler tous les soirs. Non, on va pas picoler tous les soirs, mais voilà. Si ça te branche, en gros, évidemment. Bon, par contre, attends. On va essayer comme as. Non, mais c'est trop hard. C'est trop hard, les gars. Ça n'a aucun sens, quoi. Non, mais Life is Strange, si, faut que je m'y remette. Juste que, voilà, j'ai fait Far Cry Primal. J'ai fait Dark Souls 2. Voilà, j'ai pas été sérieux. Ouais, Resident Evil, on a vu le but au bout d'un an et demi, donc... Et voilà. Faites un live ce week-end. Ah bah, on verra, on verra. Non, mais... Attends. Je suis chaud pour faire un truc avec le brisseau de la personne. Attends, Blackie, là, t'es où? Vise le mur. Ah, pas bête, pas bête. Blackie, faut que tu mettes. Vise la pointe pour t'y accrocher. Ah, d'accord. Ok. Ok, ok. Murder, seul suspect. Ah, ouais, il avait l'air cool. La pointe du pic. Ça, là? Un peu trop, j'imagine. On est d'accord? Là, pour le coup, espéré, j'ai visé le soleil, effectivement. Au-dessus, c'est le soleil, ouais, mais l'étoile, c'est pas... Moi, c'est l'étoile qui m'intéresse, c'est pas le soleil. Hein. Tu dois viser le mur et ensuite, ça glitch, ça te ramène sur la plateforme. Ok. Ok, 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 ok. C'est overhypé, Dark Souls. C'est surtout... Un excellent jeu. Mais je l'ai touché! J'ai visé le mur, hein. Salut, rideau de viande. Salut, dodo. Choper un émulateur PSX ou manette PC et faites Overblood 2. Vous verrez, vous apprécierez la vie ensuite. D'accord. La pointe PD. Ça me fait mal, mais je suis obligé de plus soyez site sur ce coup. Sur quoi, mec? Par rapport à quoi, Youpin? Non, mais les mecs, il y a un problème, quoi. Tu me paierais combien pour le faire? Que dalle. Que dalle, meuf. Faut que tu me prouves ton skill. J'ai aucun papier qui me... Je trouve pas le mot. Enfin, bref, tu m'as compris, ferme-la. Oh, putain, ça y est. Putain, 10 ans! 10 ans de canon, quoi! Ah, tu parlais à Saster? Elle disait quoi, Saster? Ah, le jeu, là, son jeu à la con. Salut, Templar! Bon! Alors.
toi tu te démerdes, j'aime bien me voir galérer. Eh bah écoute. Au moins t'as joué au jeu. Bon. Bon, je vais aller chercher l'étoile en haut là. Il y a ce PD de Todd qui va me filer l'étoile, je crois, c'est ça. Je sais pas où il est ce con par contre. Forcément c'est de l'autre côté. Non? Ah non, c'est dans le truc des tableaux. Ah oui, je peux pas y aller encore. Ok. Bon, vas-y, go. On va faire un peu les bouts là. Cette tuerie, je viens de faire l'acquisition de F0X. Ah. Alors, c'est lui, je crois. Payé 70€ en loose très content. T'as l'étoile du fond de l'eau et celle du petit carré noir dans la pièce du niveau de l'eau. Ah oui, exact. Ah oui. Ah oui, bah tiens, je vais y aller. J'irai après. Je vais faire un peu le manoir au bout là. J'aime bien ce niveau. Chercher le Big Boo. Pas revu ce niveau depuis 10 ans. Ouais, c'est pas ce qui me semblait. Ok. Très très content. Ça c'est avec la casquette transparente. Merde. Ah, attends, je m'en rappelle plus trop. Ouais, il y a pas un délire avec un wall jump à la con là. Non, ça doit pas être ça. C'est plus un... c'est pas l'intérieur peut-être. Ah, il est pas dans le moulin là. Je sais pas comment tu fais pour jouer à la 64 ici, j'en peux plus avec à cause de la manette. Moi je kiffe la manette. Je kiffe cette putain de manette, mec. C'est magique. Ah, la musique, gros. Énorme. Énorme. Ta ta ta. On dirait la musique du... la musique des tempêtes dans Ocarina of Time. Il est pas là, le fat boo, là? Rejoindre le Big Boo. Ouais, je sais. Mais il me semblait qu'il était là, non? Ça me rappelle Zelda. Ouais, non, mais grave. Bon, bah, c'est pas là. Je suis un petit peu perdu. Il doit y avoir un truc à faire. J'ai montré un de tes lives à ma grand-mère. Elle te trouve un peu antisémite.
Ça déchire. Il est là quand tu actives la quête, non? Bah je sais plus. Peut-être, hein, peut-être, peut-être. Le fat boost est dans DBZ. Ah oui, merde. Ah merde! Moi j'aime beaucoup la manette, hein. J'aime beaucoup cette manette, hein. Peut-être par la porte de derrière. Oui, ta mère. Tiens. Oui, ta race. Je crois qu'il y a un délire avec un wall jump. Non, c'est pas ça. Faut que tu débloques l'escalier qui mène à l'étage. Ah, je veux bien. Mais... je sais pas comment on fait. Mais... putain, je pensais que le jeu était plus frais. Mais en fait, non, pas du tout. Je suis vraiment complètement paumé, quoi. Putain, alors attends, voir. Je crois qu'il faut faire un wall jump quelque part. Non, mais c'est pas ici, clairement. Bute les boues, c'est tout. Ah merde, sérieux, faut buter les boues? Ah ouais, d'accord. Ah, mais oui, après il apparaît dans le hall. Putain, ça y est, ça me revient. Putain, ça me revient. Exact, exact, exact. C'est ça. Ouais, non, non, mais c'est bon, ça me revient. Oh, putain, j'ai déjà fait cette salle. Allez, ressort, connard. Il est où cet enculé là? Putain, la distance, mec, on voit que dalle quoi. Eh bien là. Bonne nuit. Ah, salut Benoît. Eden Lake, c'est naze. Tu rigoles, mec? Eden Lake, il déchire. Une tuerie, gros. Cherche le ban ou comment ça se passe? Ah, tu vois, Youpin, on a quand même des intérêts communs. Hein. Ah, Eden Lake, mec, c'est... c'est un truc de malade, ce film. C'est... tu fais le 100, le 120? Non, non, pas du tout. Non, non, je te dis, je vais faire le glitch de l'escalier et puis dodo, quoi. Si t'avais ramassé toutes les étoiles bleues, t'aurais eu une étoile. Non. Déjà, non. Merde, attendez. Où est-ce qu'elle est apparue? Ah oui, d'accord, ok. Non, non, les pièces bleues, ça fait rien du tout dans le jeu, là. Ça te permet de faire la quête des 100 pièces. Mais c'est tout, hein.
se coince le bras dans la seule porte de la forêt. Elle peut s'enfuir 50 fois, prévenir la police. Ouais, mais mec, dans ces moments-là, tu sais pas comment tu réagis. On n'en sait pas, tiens. Il me reste 4. La flotte, j'ai besoin de la casquette métallique et donc ça m'emmerde un peu. On va faire le truc noir ou je sais pas quoi là. Du coup, avant, ah ouais, avant il m'en faut quand même encore 3. On va faire le manège, donc le manège c'est par là. Moi j'abandonne les femmes et les enfants, je sauve mes couilles. Ah, bien sûr, mais moi c'est la même. Avec le manège, ouais, c'est ça. T'as pas besoin de la casquette métallique. Bah pour le... Si, pour le tourbillon, dans le monde aquatique, si, si. Pour passer dans l'espèce de tornade, là. Ou alors, à moins de nager très très près, mais je crois pas. Bah, il faudrait que je teste, voilà. Speedrun mon gars quoi. Salut, salut Ludo, comment vas-tu? Écoute, moi ça va très bien, je te remercie. Dans ce genre de situation, je pense que Zulman se servirait de sa paume ancestrale. S'il peut que sauver ses couilles en même temps. Ouais, le village Cocorico, bah c'est ce qu'on disait tout à l'heure à Févi. C'est que ça me faisait penser au moulin dans Ocarina of Time. Salut Arigold, bah écoute, ça va très bien. On est bientôt à la fin là, il me reste encore 3 étoiles et puis on termine le jeu. Donc ça va plutôt pas mal. Ça va, je taffe jusqu'à 22h cette semaine, je viens de rentrer, content que tu sois encore en ligne. Ah bah t'inquiète, hein, moi je commence tard demain. Je commence vers midi, donc t'inquiète, hein, je peux streamer au calme. Donc le niveau aquatique. On avait dit le truc dans le noir, je l'ai pas fait, donc allons-y. Mais c'est vrai. Ah putain, pour y aller mon con. Pour y aller mon go. Ah bah si, on peut y aller comme ça. Salut female. Female. Tra cette zip quoi. Ah, y a pas à chier, hein, c'est une tuerie. Ils ont mis nos 4 cons, ces enfoirés. Merde, elle est où? Putain, je viens de la voir tout à l'heure. Je suis pas cinglé, quand même. Il y en avait une en hauteur, là, que j'ai pas encore chopée. Attends, what? Ok, il y en a une là-haut. Et du coup, la dernière, elle est dans un coin. Est-ce que j'ai fait tous les coins? Je crois pas.
Ce coin-là, je l'ai pas fait, je crois. Ici. Ah, là-bas. Ok! C'est quoi comme boulot aussi? Salut SL purulente. Très beau pseudo. Je suis surveillant. Je suis pion dans un collège. Un live Pokémon. Ah, rigole, je te cache pas que c'est une idée qui m'a traversé l'esprit plusieurs fois. Et je crois que je vais le faire. Je le ferai. Genre, je vais brancher, je crois, la Super NES. Et je vais foutre la cartouche et on va se faire. Ah, à mon avis, ce sera sur plusieurs streams, mais je pense qu'on va se finir un Pokémon en live. Je pensais au Pokémon Or ou Cristal. On verra. Allez, go. Il reste 2 étoiles, putain, on y est presque! Un an de Duvel, tu viens taffer dans mon lycée. Bah, le truc, c'est que. Je ne pense point. Je ne pense point. Si t'es un surveillant qui surveille une personne. Si tu veux pas faire la version Chaos de Mario 64, je connais pas. Donc, ça, c'est avec les canons. Ça va peut-être être chiant, non? Je sais pas, j'ai pris ce stage au pif parce que ça me fait chier de retourner dans le monde de la flotte. De 70. Pour que t'arrêtes ce petit bruit dégueulasse de répétition avec ta manette. Mec, comment tu veux que je fasse? Tu veux que je le joue pas? Si tu veux, je le joue pas. Merci quand même, mais. Je peux pas faire autrement. Ah merde. Bon, je teste le first try. Bon, le second try alors. Mais ça rend un truc authentique, tu vois. Faut pas avoir 50 étoiles pour accéder à l'escalier sans fin. Non, il en faut... Si, il en faut 50, mais t'inquiète. Je fais le glitch de l'escalier et de l'escalier sans fin. T'inquiète pas. Cherche pas. Je vais tout défoncer, mec. Les Mario Galaxy, je sais pas, mec. Peut-être, mais... Oula, bon, bah, là, c'est complètement dans les chaussettes. Sans la mettre, le jeu va être plus long. Bah oui. Mais non, mais c'est authentique, quoi, tu vois, c'est... Mamma mia, ouais. C'est vachement passionnant, Pokémon. En plus, sur console, tu ne pourras pas tricher avec la multiplication des super bonbons. Ah oui, grave. Bah ça, mec. Hein. Quand tu tapotes le bouton, on dirait que tu te branles, on sait pas ce qu'il faut. Ah putain! La connexion a lâché. Or et argent, mec. Best. Best jeu Pokémon ever. La deuxième génération est magnifique. Et t'as 2 ligues, mec. Enfin, non, t'as pas 2 ligues, mais t'as 16 badges. Donc, tu ris, quoi. D'accord, donc c'est pas du tout là. Faut que je vise bien plus haut, quoi. Petite référence à Demon's Souls. Ouais. Bon, j'ai quand même niqué le boss de fin. Voilà, c'est comme si on avait farmé des herbes, en fait. En fait, on a juste gagné du temps, mec. Donc au final, non, on a fait le jeu légitimement. Juste qu'on a gagné du temps pour pas vous ennuyer, vous. On pense à vous, les gars. Oui, un live où je finis Pokémon Crystal. Oui, c'est le projet. Déjà, ça, je suis obligé de le péter. Non mais les gars, bon je crois que je vais pas faire cette merde parce que ça commence à me gonfler.
La Templar, la deuxième génération, c'est une tuerie. C'est à partir de la 3 que c'est devenu de la merde. La deuxième, mec, franchement, les Pokémon de la deuxième génération, ils sont magnifiques. Ouais, voilà, t'en as pas qui sont dans les godasses, quoi. Ils sont tous super stylés, quoi. Alors que dans la 3, ça commence à être de la grosse merde. Déjà, les starters de la 3, mais laisse tomber, quoi. Les starters de la 2, mec, Kayminus, Erisandre et Jarmignon, ils sont trop stylés. Trop stylés, mec. Oui, ils ont ressorti Or et Argent, mais sur DS, ouais. Pokken sur Wii U? Non, ça m'intéresse pas. Franchement, j'ai maté des vidéos, ça a l'air vraiment d'être de la grosse merde, quoi. Jamais j'achète cette merde, hein. Franchement. Ça me déçoit tellement, je m'attendais à un truc de ouf, un roster de dingue et tout. Au final, ça chie. Oh yes! Putain, j'y croyais tellement pas! J'ai ricoché sur le bord du caca, là! Bon, plus qu'une étoile, les gars. Ah putain, je suis content! Ah, je suis happy. Le GG. Bon, allez. On va essayer de te choper une étoile en bas, là. Ah, j'y croyais pas, hein, franchement. ZGG. Tu pouvais l'avoir avec le hibou, sinon. Ah, ouais. Ah, oui. C'est vrai qu'il y a une boule. Et je perds la boule. Et je deviens ma boule. Ouais. Effectivement, ouais. Je m'en rappelais plus. Oh oh Le week-end dernier, j'étais au salon Pen Art Game. Il y avait un stand Pokémon pas top. Je pensais le prendre et mon deck. Tu parles de quoi, Chibi Lady? Tu pensais prendre quoi? Ah, Pokémon. Ouais, franchement, ça a l'air tellement nul. J'ai vu des vidéos, mais mon dieu, quoi. Non, mais je sais plus faire le sort longuant ou pas. Voilà, pas possible ça. Non, putain, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et voilà, ça commence à être de la merde. Ça commence à faire du caca. Putain. Et bon. Allez, ça dégage à la grenade. La musique, elle est no good. Il est cool ce niveau. Ouais, j'avoue, il est pas mal. Essaye la démo quand même, si de perso je me tape toujours. Ouais, je sais pas. Ah putain, merde! Ah ouais, merde! Non! Oh là 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 là, comment j'ai fait dans les couches? Mario Maker. Bah, je t'avoue que. Ouais, si, faut que je m'y remette. Faut que je m'y remette quand même. J'ai plein de niveaux encore à faire. Mais bon, je sais pas. Bon, allez, c'est bon. Les gars, on est à la fin, on est bon. Allez, c'est parti. Bon, faut faire le niveau de Bowser, juste avant. Choper la clé. Et let's go. Salut Maxime. Ouais, il y a eu des mises à jour de ouf encore. Attends, mais c'est pas ça. Attends. Attendez, comment on chope la clé pour aller en haut? C'est pas ici? Je sais plus.
Tu dois d'abord faire un niveau. Ouais, mais attends, c'est ce niveau-là qu'il faut faire. Toi, ça me dit rien du tout. Enfin, si, je vois le niveau avec le sous-marin, mais... Ok, bon, bah écoute. Les Naruto, écoute... Les Naruto, bah c'est... Bon, je sais pas, c'est mes potes. Ça m'intriguait. Il y a la vidéo du Gaki qui m'a donné envie, la futilité sur Naruto, je me suis dit, ah, ça a l'air sympa et tout. Puis voilà, puis un jour, je me suis allé, je vais lire les scans, c'est gratos, c'est sur le net. Puis let's go, quoi. Et ça déchire. Oui, quand t'as une étoile ici, ça débloque Bowser. D'accord, ok. Il faut aller sur le sous-marin, c'est ça? J'ai eu les Naruto et c'est pas si mal jusqu'à un certain moment. Ah oui, bien sûr. Ah, vers la fin, ça devient n'importe quoi, mais. Non, franchement, ça déchire. Moi, j'aime beaucoup. Ah, bah oui, voilà, c'est ça. Ok, yes, nice. C'est pas par là. C'est quoi ce délire? Oh putain, j'ai. Je me rappelle même plus de cette merde. Ok, d'accord. Allez, on est bon. Non, on descend. Yo! Attends, ouais. À savoir! Je vois rien, les gars. GTO, c'est de la boulette. GTO, ça déchire, mec. Tu ris, mon gars. La lave, elle insulte et menace, quoi. Oh putain! Oh ce bol! Non, 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 non! Oh putain, non! Dégoûté! Je t'ai.
Reste les mondes de Bowser de pute! Fais chier, bordel! Tout ça à cause de la lave de merde, là! Mais allez, on se retape tout, putain! Ah, je suis vénère, ça y est. Eh, ça y est, je suis vénère. En fait, moi, il me faut des jeux faciles. Si je veux pas être dernier, il me faut des jeux faciles. Ah, putain, mais c'est dingue, quoi. Je suis vraiment une merde, c'est un truc de ouf, quoi. Le bordel, je l'ai fini 200 fois, ce jeu de merde, et j'arrive encore à crever à des endroits, mais de... d'autistes, quoi. J'aime quand tu cries, mais ça me donne quand même envie de t'attraper par le col. Eh, je sais, mais moi aussi, j'ai envie de me casser la gueule. Je suis vraiment une pédale. Grosse pédale. J'étais en train de chier à l'autre bout de l'appart, j'ai entendu un bruit strident. Les plateformes en Lego, quoi. Aucun sens. Ils ont avaient les droits Nintendo là sur ça. Ah putain. C'est un truc de ouf, quoi. Je vais pas y arriver, quoi. Je vais pas y arriver. Putain. Ça m'emmerde, là. Ah, ça me fait grave chier, les mecs, là. Non mais c'est juste trop long pour y aller là, pour faire ce niveau de merde. C'est trop dur, il y a trop de lave là. Hein. Mais quel abruti, mais c'est pas possible d'être aussi con, mais... Oh là 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 là, mais je me travaille au foie, mais putain, mais... Ah ouais, mais oui. La plateforme se barre, bah oui. Oh là là. Attends, mais franchement, je suis vraiment une merde, hein. Je suis désolé, les gars. Je fais vraiment pitié. Hein. Là, je me rends compte, hein. Je fais grave pitié. Tiep, tiep, tiep. Tiep, man, quoi. Tiep, 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 quoi. Tiep, tiep, tiep. Allez, je suis la grosse bite, bâtard. Ça c'est trop dur quoi. Vous avez vu ce merdier? Mais non, mais casse-toi toi! Putain, ils vont commencer à me gonfler. Mais c'est quoi ce mob de merde là? Va te faire enculer, bouffeur de queue là! Attends, ta mère est en cul, le bâtard! Putain, mais n'importe quoi là! Et la cam est du mauvais sens, ça m'énerve! J'insulte et menace tellement ce jeu de merde là.
Ouais, bah donne-moi une vie et ferme ta gueule aussi. Oh, putain. Parce que tu te traites de merde et qu'on aime te voir rager, continue avec toi. Merci beaucoup. Ah ouais, ouais, là je suis bien moi, non t'inquiète pas. Mais non, mais non, mais attendez, attendez, je vais devenir fou là. Je vais devenir fou les gars. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, on peut même pas monter. D'accord, oui, mais oui. On crée des jeux vidéo. Mais on est des merdes. Hop, 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 on se calme. Allez. Non, mais surtout qu'après ça, il y a le glitch. Je vais passer 2 heures sur le glitch. Après, il y a le monde de Bowser. Encore. Il y a Bowser. Je risque de galérer et de crever. Donc, de me retaper le glitch. Enfin, bref. Vous avez compris, quoi. Le cercle vicieux de pute. Bon, alors, attendez. Ça me fait vraiment bader, là. J'ai peur qu'il y ait le bobombe qui arrive dans mon cul, là. Mais non. Oh, putain, je vais tracer. Bah, écoute. Oh, merde, on peut pas. Ok, on peut pas tracer. On trace pas. Reste là. Oh non, mais sérieux! Mais what, quoi? Oh, il y a de la vie là. Oh, ils ont été vraiment super cool. Sid, mets-toi à One Piece. Oui, mais je suis en train de le lire. T'inquiète. Non, 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 non! Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Je suis en train de le lire en ce moment, One Piece. Bon, j'en suis qu'au chapitre 20, hein. J'avance pas très vite, mais... Mais t'inquiète. C'est bon. Allez. Nicolas, Sid aimerait vivre quelque temps chez toi à Québec. C'est possible? Ah oui, Nicolas, il est de là-bas. What? What, 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 what? Ah oui, d'accord, le mec disparaît au calme, quoi. Attendez, c'est que j'ai jamais vu ça, moi. Bowser, il fait pas ça, normalement. Ok, d'accord, ça a gonflé. Ça y est, ça me saoule. Oh, va te faire enculer, connard. Putain, 2 ans pour choper sa queue à ce con, là. Et il va dans le feu, cet abruti. Incroyable. Incroyable. Putain, je vais réussir à crever. Ça y est. Faut que j'envoie là-bas. C'est bon ou pas? C'est pas bon. Ah, oh, je vais mourir, je vais mourir. Oh non. Oh, je vais crever, je le sens, je vais devoir me retaper le stage. Non! Oh putain! Quel niveau de merde! Mais ça, c'est une idée à la con de... Allez, mais arrête de tourner! Putain, mais c'est... Oh, mais le connard de base, quoi. Non, mais c'est dingue. Attends, mais je le chope, là! Arrête de me prendre pour un con, espèce de jeu de merde. Tiens... Connard. Putain.
Je vais pas réussir à le lâcher, tu vois. Eh, c'est super chaud, ça. Oh, si, c'est bon. Ah, ça va, ils ont été sémites. Il est dead, donc il faut faire 12 fois. Là. Ouais, c'est bon, allez. Couper le son, je le sens mal. Allez, c'est bon. Oui, on a compris. C'est pas évident ce jeu de merde, quand même. Bah, prends l'étoile, machin, là. Ouais, bah c'est bien de faire une chorégraphie, mais... Je sais pas prendre une clé. Le mec se fait une petite choré au calme, quoi, mais... Allez, c'est bon. Escalier, là. Ça m'a gonflé, hein, putain. Merde, Lego. On sait que Mario, hein. Tournée de taboulé. Spam le lien des dons sur le chat. Allez, allez. Si ça, déjà le glitch là, j'arrive à le rentrer, tu vois. On est où, tu vois, on est où. Je suis un genre de demi-god. Bon, alors là, c'est parti, les gars. Alors là, c'est parti pour... Oh là 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 là, je l'ai rentré au calme. Au calme. Ok. Donc maintenant... Alors, c'est là-haut. Non, ou à moins que ce soit là-haut. Oui, c'est là-haut. What? Attends. Ah si, c'est bon, c'est bon. J'ai badé. Et là... Et là, faut le refaire. Allez, glitch, bata! Allez, glitch, enculé! Ah, putain. Eh, mec, quand je vous dis que j'ai pratiqué, hein. Allez, monte! Putain, ça, par contre... Attends, ça fait mal au bras, par contre. Allez, grimpe! Mais Taras, grimpe, bâtard! Allez! Oh putain, c'est bon. Allez, on est bon. Ok, boss de fin. Attention. Ah, j'ai super mal au bras, là. Pire qu'une branlette, le mec. T'es agile de tes doigts. Allez, c'est parti. Déjà, le monde de Bowser, là, il me crasse la couille. Oh putain. Le Bowser, il insulte tes menaces, là, dans celui-là. Là. Allez, on est bon. Voilà, ça c'est ce qu'il y a là. Ah, Big Stewie, j'ai du mal à dire ton pseudo. Par respect pour le skill, il se fout pas de notre gueule le CGG. Eh, merci mec, oui, attends, eh. Moi, si je vous propose un truc, en général, c'est qu'on est bon. C'est concentration du Hooper, attention. Yeah.
Bonnie, mec. Ah. Si dans mode speedrunner. Bonnie, 2,70 €. Tu joues avec la manette pourrie de la 64? Bien sûr, regarde un peu. T'inquiète, hein. D'accord. Il m'a impressionné, j'en suis presque choqué. Il s'amuse à voir qu'il est pauvre. Eh, ça se trouve. Non mais là j'ai réussi tu vois, mais ça se trouve le Bowser là je vais grave galérer. Parce que il faut l'envoyer 3 fois dans les bombes et là c'est vraiment moi ce que je déteste faire, c'est l'envoyer dans les bombes. J'arrive pas à viser en fait. En plus il va insulter et menace tu vois. Putain. Ok. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Yes, I. Ah, je l'ai pas eu. Non, je l'ai pas. Du coup, il va casser le terrain, je crois. Ah, merde, 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 merde! C'est bon. Oh non! Ça va, t'es pas en train de me casser les couilles là, quelque part? Allez. Putain de merde, j'ai fait me casser la gueule là. Oh putain, attends, crise d'art, 50 balles pour des lives sur Dark Souls 3 de qualité. Putain, merci mec. Attends, il faut que je gère là. Attends, tu me stresses gros. Ah, je l'ai pas eu. Merci mec, hein. Putain, tu déchires quoi. Mais t'inquiète, ouais, Dark Souls 3, c'est prévu. Hein. Ok. Ah putain, je me suis fait gratter le cul. Putain, et je vous jure, j'y arrive pas, quoi. Je n'arrive pas à viser, c'est un truc de ouf. Ah, mais il y a du feu partout là. Il y a même des petits serpentins bleus. Hop, t'as un petit coin à coin. Ok. Allez, cette fois c'est la bonne.
Ah putain, non! Oh putain, pas assez de vitesse. Ah, c'est trop dur, attends. Ça me stresse trop, mec. Attends. Ce genre, là, je tremble. J'ai l'impression d'être sur un boss de Dark Souls. Hein. Non, mais sans déconner. Hein. Allez, putain, cette fois, tu vas te la bouffer, bâtard! Mais non! Mais c'est trop hard, bordel de cul! Putain de cul! Attends. Ok. Allez, viens là, viens là! Zibozer! Tu vas manger chaud, mon pote! Oh putain! Non! Putain! Fais des roulades! Il était plus gros, Bowser, ouais. Moi, dans mes souvenirs, il était surtout plus simple. J'ai pas le souvenir d'avoir autant galéré autant. Ah, c'est bon! Non, mais c'est une blague! Les gars, ils étaient dessus là! Et je tremble, je vous jure, je suis pas bien là. Je vais mourir! Je vais crever! Je vais pas aller bosser demain, motif. Trans quoi. Trans de Mario 64. Oh putain, je l'ai! Yes! Les gars! Mario 64 terminé! En 2h48. Wouh! Avec la manette de l'époque, avec la console de l'époque, les gars! Ah putain, j'en peux plus, ça y est! On a réussi, les gars! On a fini le jeu! Oh yes! Attends, je suis happy, quoi! Truc de ouf! GG, merci, les gars! Merci pour vos dons, hein. Franchement, mais vous êtes. Vraiment super cool, les gars. Et je vous jure, regardez. Je tremble. Enfin, vous avez rien à voir, parce que c'est bruit de pixels, j'imagine, mais... Putain, je suis au bout de ma vie, quoi. J'ai tout raté. Bon, t'inquiète, tu auras la rediff. Hein. Bah, d'ailleurs, je pense que je la posterai demain, au calme, tu vois. GG, Julien, sans tricher, en plus. Ça mérite un beau gros... Un bon gros GG, tout ça. Non, mais si vous me direz, il faut 120 étoiles pour réussir. Salut, Will. Ouais, mais j'ai fait le glitch de l'escalier... Hein. Je t'invite à mater ma chaîne YouTube dans le lien de la description Twitch et puis tu verras, je mettrai la rediff demain, je pense. Dommage, tu gagnes pas un diplôme à la fin, tu m'étonnes. Putain, en plus, le glitch du premier escalier, je pensais que j'allais le foirer en mode j'allais passer 2 heures. Putain, je l'ai rentré direct, quoi. Je tremble à cause du boss et de tout. Je tremble à tout. Enfin, surtout le boss, en fait. Il m'a vraiment détruit la gueule, quoi. Alors, je me mouche pas parce que c'est émouvant, hein. Évidemment, ça chie. Je sais même pas s'il y a un bisou, attends, je m'en rappelle pas. Va niquer la princesse maintenant. Je sais même pas s'il y a un bisou sur le nez. Hein. Si, peut-être. Peut-être. Tu mérites une récompense. Ah, c'est ça, si, si. Ah, et lui, il est content, le Gaëtan. Peach est prête à prendre son petit thé avec Mario, du coup. Ah, ils vont faire le gâteau délicieux pour Mario. Si, il doit avoir son bisou de la blondasse. Tu trembles parce que ton émulateur crache à la fin et tu dois recommencer. Mec, je suis pas sur émulateur. Je suis sur la 64 de base. Le jeu est ici, je l'ai en boîte depuis 1000 ans. Non, je suis sur le vrai jeu, mec, sur la vraie console. Donc j'ai fait le glitch à la manette, mon gars. Bon, c'est de l'entraînement, hein. Mais, quand ton pif fait la taille de ton visage, du visage de ta go. Toutes des connasses, comme dirait elle. Exactement. Enfin, avec le respect, sauf Hélène Pelletier. Vous êtes tous pourris, enfin, sauf Godard, évidemment. Mais... Enfin, pour ceux qui ont la référence de cette phrase, chapeau bas.
tu vas pas nous laisser maintenant? Bah mec, je bosse demain quoi, donc j'aimerais bien rester avec vous, mais malheureusement, on va rester jusqu'à la fin du générique au moins, mais... J'y vais, à plus Lego. Salut Nico. À la manette, c'est plus facile, mais pas celle de 64. En fait, ça va, franchement. Le glitch, il passe bien, quoi. Néanmoins... Tous des putes, sauf maman. Jérôme. Ah, bien vu, Zako Eden. Bien vu. Jérôme. Putain, Nerds, quoi. Ça fait tellement 1000 ans que j'ai pas regardé. Nerds, ah, DS4, eux aussi. Il y a DG dans 10 minutes, Lego. Ah, il fait un live aussi? Eh ben, regardez, c'est parfait. Vous avez le temps d'aller faire un petit caca, de vous brosser les dents, et hop, chez DG! Timing pas fait pour le live de DG. Ah, c'était calculé, quelque part. Ah, putain, on n'a même pas vu ce monde-là. En fait, il y a plein de mondes qu'on n'a pas vu, quoi. Le monde des géants est pas trop trop mal. Celui-là, il est à chier. Attends, ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est... Ah oui, non, ça, c'est le monde des géants. Des grands petits. Ouais, il est pas trop mal. Celui-là, ah putain, celui-là il est horrible. Celui de l'horloge là. Une petite imitation de Gus. Je sais pas faire Gus, mec. Mis à part. Bonjour. Je m'appelle Guillaume. Ou Gus. Vous pouvez m'appeler Gus. Je viens juste visiter votre maison. Si vous êtes encore là. Vous pouvez venir parler dans ce petit appareil que j'ai dans la main, qu'on appelle un K2. Les diodes vont s'allumer, et donc je saurai que... je pourrai donc détecter votre présence. N'hésitez pas à faire un bruit ou un son pour m'indiquer que vous êtes bien ici. Alors, on va allumer la Spirit Box, maintenant. Alors, vous pouvez parler dans cet appareil qu'on appelle une Spirit Box. Ça balaye des fréquences radio et normalement on devrait pouvoir vous entendre. Bonjour. Guillaume. Vous venez de dire Guillaume? Oui. C'est incroyable. À ce moment précis, on entend clairement la voix d'une femme d'environ 50 ans qui dit Guillaume. Enfin voilà, allez, on arrête. Pourquoi Youpa? Et pourquoi il y a des mecs qui se font ban? Tout le monde se fait ban, quoi. Allez. Salut, Ténébreuse. Ah bah, salut, bonsoir. Hein. On vient de finir Mario 64, là. En 2h54, évidemment, avec le... On compte le générique, mais en 2h40, à peu près. 2h48. J'en peux plus. Y'a quoi en stream, là? Je suis insomniaque et j'ai un paquet de gitane en rab. Putain, et les gars, je peux pas... Je suis obligé de reset la console, quoi. Bonne fin de soirée, alors, et à bientôt. Bah ouais, les gars, écoutez, merci à vous, en tout cas, d'être passé, ça fait plaisir. Bah, je pense que je vais mettre la rediff dès demain. Donc, vous l'aurez dès demain matin, au calme. Parce que bah, je suis assez content de moi d'avoir fini le jeu. Hein. Franchement, je pensais que j'allais galérer ma race. Au final, voilà, je suis quand même mort quelques fois sur les niveaux de lave de merde, mais... franchement, ça va. Donc, encore une fois, grand merci à vous d'avoir été présent, c'était cool. Il y aura peut-être un petit live ce week-end avec Ahmed, je sais pas, on verra. Je vous retiendrai au courant de façon via YouTube, etc. Voilà, allez, je vous fais des bisous. Bye bye bye. Bye bye les amis, comme dirait Styx. Je vous dis bye bye. Et à la prochaine.